Hop, on lance le record. Yes. On est parti, mesdames et messieurs, pour le soir. Petite soirée de stream. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Voilà, ça va... Oh, on se calme, là. Ça va très, très bien. Très bien. J'espère que vous êtes chaud pour cette soirée. Soirée riche en programme. C'est une grosse soirée, pour le coup. On commence dès 18h, d'habitude. Voilà, pas 18h, mais là, voilà, on commence un petit peu tôt. Du coup, bah voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Demain, je vous recorde une vidéo setup. Il était temps quand même. Bonsoir. Donc oui, demain, c'est vidéo setup. Donc je vais recorder ça et j'espère que ça sortira pas trop tard. Mais normalement, ça devrait sortir sur la chaîne, voilà, dans les 7 à 10 jours max. Donc voilà, je vais bosser là-dessus. Et voilà, je pourrais un petit peu vous montrer l'envers du décor où je fais mes streams et où je produis mon contenu. Surtout qu'il y a eu pas mal de changements sur mon setup cette année, même beaucoup je dirais, beaucoup. C'est abîmé ça, ça va pas du tout ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, tu voulais stop les ranked le vendredi soir. En fait j'ai pas eu le choix, genre en gros il fallait que je fasse une soirée ranked, j'avais vraiment envie de jouer cette semaine. Donc j'ai pas eu trop le choix. Ce qui fait qu'on va en faire ce soir. Donc ce sera de 20h à 23h. Et à 23h, il y a Renaud normalement qui nous rejoint. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message tout de suite pour qu'on ne soit pas paumé. Attendez. Yes. Mais oui, j'avoue que les ranked le vendredi soir, c'est pas l'idéal. Alors attendez, quoi? Il m'a dit un truc. Et pour la vidéo Alpha's Bizarre Adventure, je l'ai tournée hier. Petrichor est en train de s'occuper du montage actuellement. Donc du coup voilà, il est occupé là à faire le montage. Donc ça devrait sortir dans les jours qui viennent. Il y aura quand même pas mal de vidéos qui sortiront pendant que je ne suis pas là. Je me suis organisé pour que les monteurs puissent vous en faire tout simplement pendant le break. Et du coup voilà, tout simplement. Donc la chaîne YouTube sera active. Même si je ne serai pas en stream Twitch, la chaîne YouTube sera active. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube. Il y a pas mal de contenu dessus. Donc voilà, tout simplement. Connaissez-vous Twitch Prime? Parce qu'avec, vous pourrez soutenir AlphaCast gratuitement, mais aussi regarder les épisodes de ce super animé qu'est Vinland Saga. Alors n'attendez plus et claquez vos Prime. Ah oui, complètement. Oh là là, Vinland Saga. Oh là là. J'ai regardé les deux derniers épisodes aujourd'hui là. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien quand même cet animé. Qu'est-ce que c'est bien. Et c'est vraiment, je le disais sur Twitter, mais c'est vraiment... Si vous avez des potes que vous avez envie un peu de les convertir, voilà, avec votre moine, si vous avez envie de les wololo dans le camp des weeb, et qui sont en mode, ouais, non mais Naruto, tout ça, j'ai passé l'âge, vous leur envoyez Vinland Saga. Et là, on verra s'ils ont passé l'âge. Hein. Donc voilà, c'est vraiment bien, je pense, comme porte d'entrée, je trouve, dans le fabuleux monde de l'animation japonaise. Je trouve que c'est pas mal. C'est un peu comme Death Note fut un temps. Moi, Death Note fut un temps, c'était vraiment mon go-to pour convaincre les gens aux animés. Et je trouve que Vinland Saga, ça rejoint un peu ça. C'est très mature. C'est clairement pas un dessin animé pour enfants, quoi. Et j'ai vu Dr. Stone. Et tain, Dr. Stone, c'est fou quand même aussi. Hein. C'est très bien. Hein. Qu'est-ce que c'est bien, Dr. Stone? J'ai vu aussi les derniers épisodes. Et là, j'ai tellement hâte de voir la saison 2. Mais qu'est-ce que c'est bien. Et qu'est-ce que c'est émouvant comme animé aussi, Dr. Stone. Vraiment, c'est vraiment super cool. C'est vraiment super cool, Dr. Stone. Après, Dr. Stone, c'est un peu plus jeune. C'est moins mature que Vinland Saga. Mais c'est vraiment très, très bien. C'est vachement touchant. C'est très cool. Moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé Dr. Stone. C'est super passionnant. Donc ouais. T'as séché la saison en une nuit. Ah ouais, putain. T'es motivé, quoi. Je t'aurais pas dit émouvant. Ah si, je trouve il y a des passages qui sont vachement émouvants, qui me touchent beaucoup, moi, perso. Après, ça dépend peut-être de la relation que t'as avec ton père et tout, mais le truc par rapport à la relation père-fils dans cet animé, je trouve que c'est traité avec beaucoup de finesse et de justesse, et c'est très touchant. Voilà. Donc des bisous à tous les papas, tout simplement. Nel, bonjour. Salut, Okarim. Je dirais qu'ils ont pas le temps. The Witcher Netflix, c'est bon pour l'instant, mais par contre, la timeline est balayée. Certains personnages importants de l'univers se te sont balancés au visage comme ça. Ah ouais?
Ok, j'ai pas encore commencé. Je regarderai certainement quand je serai chez les parents. Je sais que le dernier épisode de Vinland... En fait, sur Amazon, ils sont en retard d'une semaine, j'ai l'impression. Je sais qu'il y a un manga, hein, et je sais que les gens disent « Il est mieux hein, !» Mais merde. Merde à vous, je préfère regarder en animé, voilà. du coup, voilà. Enfin bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire, là? Là, normalement, il y a Wingo qui est déjà en live. Il était chaud pour faire un peu de FFA, tranquillou. Je sais pas si Trauma est là. Trauma m'a dit qu'il voulait jouer les francs et tout. Du coup, est-ce qu'il peut jouer? Attendez, je regarde s'il est dans le coin. Je lui envoie un message. Et... Viens à OE avec les francs, du coup. Je vais essayer de le séduire. Voilà, je lui agite les francs, là, regarde. Les francs, là. Tu peux jouer les francs. Et il viendra. Il viendra peut-être. J'espère. Mais il avait dit à la base qu'il venait. Alors, j'espère qu'il s'est pas laissé embarquer dans un Red Wall, ou sinon il va m'entendre. Il va m'entendre. Ghostrat double camp de bûcheron. Évidemment. Évidemment. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Je vous arrête avant que vous ne commenciez. Dites rien. Ah non, mais par contre, les spoils, juste vous allez manger des tatanes dans la gueule, vous allez pas comprendre. Le premier opening de Vinland Saga est juste... Ah ouais, il est trop bien. Premier opening et deuxième ending. Super. Super. Très très beau. Par contre, premier opening de Dr. Stone. Mais deuxième opening de Dr. Stone. Très bien. Voilà. C'était un peu inégal. Par contre, deuxième opening de Fire Force. Oh, tellement bien. Voilà. Il y a eu des bons opening et ending sur cette saison quand même, je trouve. Moi, il y a eu des trucs que j'ai bien aimé. Clairement. Premier ending de Dr. Stone est insane. Ouais, il est sympa aussi. Enfin, insane. Le mot est peut-être fort, hein, mais... sympa, ouais. Il est sympa. Salut, Jack Darius. Salut, tout le monde. Bienvenue à tous. Pourquoi j'ai pas... Ah oui, c'est normal que j'ai pas de son. Il faut que je lance... Voice Meter Banana. Il faut que j'éteigne. Shut down Voice Meter. Shut down. Yeah. And launching. Again. Ouh, et, ah, non, c'est bon. Ba-da-ba-ba. C'est bon, ça a marché. Super. Hop, je vais couper la musique. Hop. Pili-poupi. Ah, Trauma arrive. Oh, énorme. Oh, on va être 4. On va être 4 nuls. Trop bien. Trop bien. On va être 4 nuls, yes. Ah, attendez. Il va falloir donner le lien du TS. Hop, je vais aller sur TS. Je vais les rejoindre. Je joue quoi comme civilisation? Bah, j'ai été un peu forcé par le chat de jouer les tatas. Bonjour! Bonjour! Ça va? Ça va et toi? Comment va le Tower Rusher? Est-ce que t'as appris d'autres BO? Parce que sinon ça va mal se passer pour toi, je te préviens. Wow. Ah, mais t'es wow. En live! Oui, ah je suis merde, en live. J'avais pas vu, je croyais que tu jouais en mode. Ah non, je suis en live. Pourquoi il m'agresse comme ça? Pourquoi il m'agresse direct? Bonjour, tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Si je fais un Tower Rush, je vais m'énerver. Non, mais on a appris un truc hier, c'est bon. Ah bon? C'est quoi que t'as appris hier? Rechercher. Rechercher? Quoi? Rush? Non, pas rechercher. Rush Archer de Rotin, là, avec Arcan Rotin, là. Oui, parce que de base, on était censé faire un duo avec Trauma. Il m'a dit qu'il arrivait vers 18h, mais il me dit là, il a un problème avec Chrome. Bah, super, quoi. Impossible à dire, le Chrome est corrompu. Lancer du temps. Hop, donnez-moi une petite seconde, hein, mesdames et messieurs. On va set up la game. Il faut que je wisp Wingo aussi qui est chaud. Ça va partir sur de la 4v4, ça va être beau. Ou de la 2v2, à voir. Et bah si Trauma est là. Ouais, si Trauma est là, on verra bien. Antis va faire de Rush Tower, il va faire des Rush Château. Putain, oui. J'avoue. Salut à Salia. Bah, en vérité, ça se fait, hein. Tu sais, faire ton premier château près de l'adversaire, ça se fait de ouf. Hein. Très régulièrement. S'il y a du monde qui est sur live de Wingo, est-ce que vous pouvez lui dire de checker ses MP Discord? Ce serait si bien. Ce serait parfait. Salut tout le monde.
Tu vois tous les messages du chat en double. C'est un problème chez toi, ça, je pense. Sinon, tu sais, tu peux regarder le chat ici, là, sur le côté. On attend juste nos joueurs, mesdames et messieurs, et on va commencer. J'ai envoyé. Normalement, Wingo a dû recevoir. Wingo a dû recevoir. Du coup, trop même, il m'a dit lancer. Donc. Ouais. Je pense qu'il y en a pour la prochaine. Moi, j'en fais qu'une. Et à la rigueur, il me remplacera. Tu en fais qu'une? Oh, une seule. Qu'une seule. Mais oui. C'est intolérable. Il en fait qu'une seule, il est fou. Cet homme est fou. Bon, du coup, est-ce que Wingo peut venir? Est-ce que du monde est sur son. Ah, c'est bon, Wingo est là. Nickel. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ah, bah, parfait. Parfait, très parfait. Bien. Parfait. Alors, attends. Comment ça va? Bah, ça va très bien. C'est toi. Tu passes un moment? Bah, ça va, j'étais en train de train un peu là. T'es en train de train? Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, mec, bah, train. C'est vrai que... Non mais en gros ce que j'ai expliqué, non en vrai j'étais en train de jouer quoi. Mais je me suis fait fumer ma grande gueule en PVP, enfin en ranked déjà. Ah merde, ah oui ouais, mais tu pars en ranked, t'es un fou aussi. Oui c'est vrai. Je t'ai ajouté sur Steam au fait, hein, si tu peux m'accepter. Oh, mais avec grand plaisir. Tu joues sur Steam? Ouais je joue sur Steam, ah, ouais. C'est bien. Le petit parce que vas-y Xbox. Micro, soft. Terrible. Mais le jeu est si dur. Ah oui. Après, il nous a mis des claques Ikeni hier, c'était rude. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu veux squad Alpha ou pas? Allez, vas-y. T'as envoyé une petite invite, écoute. Au top. Pas d'Antoine Daniel du coup? Bah je sais pas si Antoine Daniel est chaud, je lui avais proposé. Et je n'ai pas de nouvelles. Ok. De Antoinus Danielus. Okay, okay. Antoinus Yalenus. Ouais, mais du coup, ce que j'étais en train d'expliquer à mon chat, tu vois, c'est que de mon côté, certes, j'ai beaucoup joué Age of pour le Game Pass, mais en gros, j'ai joué que en 2v2 avec Kenny, avec une strat qui était vraiment orientée pour le Game Pass, et j'ai appris le jeu d'une certaine manière, mais du coup, ça veut pas dire que ce soit que j'ai beaucoup joué, que je vais être fort pour du FFA ou quoi, et on l'a bien vu du coup, puisque je me suis fait démonter. Ouais, mais ça, c'est clair que. Enfin, je veux dire, c'est comme sur Sea of Thieves, t'as train ce que t'avais à train, quoi. Donc, exactement. À partir de là, et c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Bah oui, découvrir le jeu pour d'autres choses que simplement. Ouais. Simplement le tournoi. Surtout que c'est aussi, ça partait sur quelque chose de. Je sais qu'au début, quand on discutait de ce que tu voulais faire, Alpha, c'était compliqué de trouver un concept qui allait. Ah ouais, 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 trop dur. Trop dur. Ouais, j'imagine par contre pour ça, ouais. C'était j'imagine vraiment dur. Ok. Je suis en train d'héberger la game, je t'ai ajouté sur Steam et dès que t'es cool, bah je peux t'inviter. J'ai invité Ventis déjà. Je suis là et je t'ai ajouté. Allez. Alors, Wingo Bear. Je vois pas Wingo Bear, ça m'énerve. Wingo Bear. Invité dans le lobby. Ok, yes, Troma a une urgence staff. Il arrive à SAP, il m'a dit. Hop. Oui, Antoine, il découvre AOE, bah, comme beaucoup en vérité. Hein. On est tous nuls à juste jouer parce qu'on aime bien le jeu, mais on est nuls. Ça, y a pas de souci, hein. Y a pas de souci, hein. Crête montagneuse, qu'est-ce qu'on prend comme map? Venez, on voulait essayer une méga random. En fait, le problème de méga random, c'est qu'on va avoir de l'eau, quoi. C'est ça que j'aime pas. On peut retenter. Enfin, surtout que le méga random, on s'est tapé deux fois la même map. Hein. Donc, vive le méga random. Ouais, c'est étrange ça. C'est vraiment étrange. J'ai jamais joué méga random de mon côté. C'est les règles et les maps qui sont mélangées. Ok. Ouais. Lance là juste pour. À la rigueur, on quitte. Juste pour voir. Ouais. Pour voir. Attends, sur quoi on tombe. Je choisis. Bah, en fait, si on tombe sur la même map, parce que hier on a lancé deux games avec Kenny et Kalen. Ouais. Et on est ouais. Tombé sur des maps île avec une île centrale. Oh, c'est assez relou. Quel enfer. Et Kenny il veut pas. J'ai pas mis prêt. Kenny, mais en fait on est full si Kenny arrive okay, après. Okay. Après okay, le okay. Souci c'est que Kenny est trop fort aussi. Genre, bah ouais, ouais, c'est sûr. Très dur d'équilibrer la game avec Kenny parce que il fait du 1v4. Déjà, c'est vrai. Il vrai, est trop surtout, fort. Surtout en FFA avec personne qui s'attaque en early et tout, tu mass up et c'est terminé quoi. Bah le pire c'est qu'il a push early et on s'est fait défoncer quand même en fait. Ah oui, en plus. Donc ouais, sachant qu'il y a un mec. Wow, c'est Kenny. Le nombre de mais j'ai tellement de villageois. J'avoue, what the fuck, pourquoi j'en ai autant? Je suis perdu. Je sais pas quoi faire de.
Du coup, on en a 6. J'ai eu une map similaire là tout à l'heure en ranked où je suis tombé avec. J'avais pas de scout, mais j'avais un cheval qui faisait que quand tu faisais des points de ralliement, il tapait même, des sprints. Même niveau bouffe, même niveau ressources, j'ai l'impression qu'on a plus, non? Oui, je crois que. Ouais, ils vont beaucoup plus vite. Ils vont beaucoup plus vite à. À collecter? À collecter, ouais. Ah ouais, mais si tu regardes ta chèvre, elle s'est fait. Bah, le mot, elle s'est fait pulver en fait. Mais... pulver la chèvre. Oculus disparu. Mais en plus sur cette map y'a les éléphants. Ouais, j'ai des éléphants à gogo. J'ai masse tour par contre. Moi j'ai une tour. J'en ai trois. The fuck? Ah oui, ah non. Oh, j'ai tellement d'or. J'ai une autruche. Mais non. Oh le con, j'ai. Ah, je me suis. Ah, j'ai pas micro, idiot. J'ai delete un villageois. Voilà, tout simplement. J'ai juste ça, c'est delete. Bon, ça. Ça c'est juste delete un villageois. Pro pour... Non, mais il est bien ton BO. J'aime bien ton. Non, mais c'est un BO spécial chinois. Ah, ah, bah oui. La dépression. C'est horrible. Mais non, mais et comment ça, c'est horrible, c'est, je joue non, mais... chinois là. Le fait que t'aies dit que t'aies suicidé ton. Ah, hier. Non, là tu viens de dire je suicide mon villageois et non, je l'ai pas suicidé. Je l'ai pas suicidé. Oh, y'a plein d'éléphants. Je trouve ça abusé par contre qu'on chasse l'éléphant. Ça, vraiment, je vais appeler Peter. Call Peter. Non, mais c'est pour avoir plus de code. Peter. Call Peter. 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 Yeah. Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker. Oh putain, le con, j'ai laissé mon. Ah! Ah! J'ai laissé mon villageois 1v1 un éléphant! Ah ouais, j'aurais dû m'appeler ce Tao Tao. Je joue les chinois, je suis Tao Tao. T'en es parti. Il y a des petits éléphants aussi. Il y a des petits éléphants? Quoi? Pardon? Bah, j'en ai un qui est beaucoup plus. Ah oui, non, aussi, c'est quand je me décale. Ça s'appelle un chien. Ça s'appelle un chien, Wingo. Ça ne se mange pas. Fois, je suis trop bête. Quoique. Oh, tu sais, c'est hein. Pour les Chinois, ah. Ça fonctionne. Bah, pour le coup, ouais. On est sur un bon BO en tout cas. Mais non, mais. Pourquoi? J'appuyais sur R comme un immense schlag. Je me déteste. Immense schlag. Je fais n'importe quoi. Ils sont en difficulté, les bots. Je suis pas chaud. Ils sont en intermédiaire, tranquille. Ah, oh bah, c'est bon, ça va. Il a dit c'est bon, ça va. Hein. Oméga Lul. En tout cas, ce map est hyper pratique à wall, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, vachement, ouais. pour ne pas dire impossible à wall. Le BO Arakiri. Au secours. Je fais n'importe quoi, moi, c'est une cata. Et là, ouais, c'est un peu du grand nymphe. Mais... là, j'ai pas assez de bois. Tu vas y arriver. Ah! Je fais nimp! Pas assez de bois, je fais comment? Putain, mais les éléphants ils sont trop relous, ils courent trop vite! Mais ils courent tellement vite par rapport au sanglier! Qu'est-ce qu'il fait l'éléphant là? Par contre, le bois il y en a pas beaucoup. Non, il y en a pas trop, il y en a plus vers les côtés, vers le centre. En fait. Mais... j'ai un éléphant qui bloque mes villageois. Je fais comment? Au secours! J'ai un éléphant qui est à côté de ma mine d'or et il bloque mes villageois. Bah tu les tues. J'ai trop. Je n'aime pas les starts chinois, il y a trop de villageois. C'est une catastrophe. Non, mais trop de villageois. On a tous eu masse villageois. Hein. Alpha. Je crois que ça faisait partie du super random. Ok. Ah, y'a mon frangin qui arrive aussi. Mais il est complètement barjou. Y'a mon frangin qui vient jouer après. Ah ouais, nice. Bah je lui laisse ma place, comme je vais en faire qu'une seule. Vas-y, bah nickel. Sur AO, je suis. Non, mais désolé les subs, putain. Team Comics, Lady Murko, je suis désolé, je veux remercier les subs, promis. Mais là, c'est terrible. Sur ce jeu, j'ai plus aucun cerveau, je vous assure, c'est une catastrophe. Regardez là, ils vont rien faire. Oh, je m'énerve tant. Voilà. Poule. Oh, mais regardez comme il court, c'est une Formule 1 l'éléphant. Ah, on est d'accord, il y a pas que le mieux. Non, ouais, non, mais ils sont trop vénères, non, hein, c'est stupide. C'est tout ce sont là. Coup d'ago face, hein. Ouais, déjà vous. Elle meurt. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Merci, Aventis. Peak comedy. Peak comedy from Aventis.
T'es trop tentant. C'est tellement. J'ai trop de villageois, c'est stupide. C'est vrai que ça va vite hein, quand même. Peut-être la vitesse de jeu qui est en bizarre. Mais ou... on serait pas sur genre Arabie là? Ouais, c'est Arabie à 3 quoi. C'est Arabie chelou. Oh, pas beaucoup Arabie chelou. Je connaissais pas à mon enfant. Les éléphants. On fume hein. Ok. J'en peux plus. J'en peux plus déjà. Il est trop dur ce jeu. C'est trop non, dur. La vitesse est normale en plus. Je viens de vérifier. Je sais pas quoi faire. Je m'énerve tout seul. Commando. Et commando. Hop là. Oh là là, incroyable. Oh, hop là. Pas assez de wab, mais comment ça? Mais putain. Pas assez de wab. Pas assez de wab, mon gars. Je sais pas pourquoi je fais une caserne, ça me sert à rien. Je m'énerve. Caserne? Ah, j'ai trouvé le jaune. Je sais pas si ça vous intéresse. Ah, mais je suis à côté d'un rouge, moi. Mais le rouge, ouais, il y en a un ici. Genre, vraiment à côté de moi. C'est pas cool. Pas cool. C'est pas cool. Pas boulot. Je sais plus quelle faction ils disent ça. Ils disent pas boulot. Tu fais... Ok, tu veux pas bosser, super. Pas boulot. Bon, allez, je suis pas féodal. Je suis pas féodal dans peu de temps. T'es vraiment rapide. Hein. T'as vu, mec. C'est ouf. Hein. Pour la vitesse. Il y a tellement d'or là-bas, c'est stupide. Je sais pas trop quoi faire là. En fait, là, il faut que je fasse un maximum de bouffe. Un maximum. De feu boue, mon gars. T'es le mec qui fait faire n'importe où. Insupportable. Oh, t'y serais pas un jeune, toi. Oh, t'y serais pas un petit jeune, toi. Tu ouais, serais pas un petit jeuneau, toi. Tu es un dirigier. Oh, t'y parles comme les jeunes, toi. Bienvenue à tous en tout cas, bonjour. Oui. Ici c'est le stream de la panique où on panique devant des villageois qui foutent rien. Voilà. Ah. Quoi? Ah. Situation particulière de la panique. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas rien. T'as fait un bruit, j'ai eu peur. Au global, rien d'ailleurs. Badelerchtung. Badelerchtung. Quoi? Ah oui, ok. Je suis à côté, moi c'est quoi? C'est des BRBL. Quoi? Quoi? Comment? Genre les mecs, non-stop. Quoi? Que quoi? Comment? Mais que quoi? Quoi? Trois mois. Ah, faudrait peut-être que j'améliore ça. Et ça aussi. Et Ah. Je vais faire des remix pour le chat. C'est bon. Tout va bien se passer, les copains. Moi, je contrôle la situation. La même, ouais. I got this under control. Vous êtes à combien de pop là? 24. 39? 39, ouais. Okay. Oh le. Mais ouais, on joue pas au même. Trop fort, Wingo. Non, mais en même temps, entraîné par le Sensei Kenny, quoi. Juste trop fort en fait. Et, oui. Et en plus, les Sensei Coach qu'on a pu avoir. Ah, je te jure, quoi. Ces jeunes là qui sont forts aux jeux vidéo là. Trop chiang. Oh, y'a des alligators? Mais non. Alligators? Ou des caïmans, je ne sais pas. Là, en fait, je suis nul. Je voilà. Suis supply block. Bien joué, tu trouves que. Dégueulasse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a le pire là? Tête de nœud, mais arrête de spawner là. Arrête de spawner là. Arrête de spawn dans mon chat à dire des conneries là. On dirait ton chat. Il a cru qu'il était dans son chat, Locke. Non mais oh! Tu vas prendre un time out, ça va partir tout de suite, Locke, hein! Attention à toi, hein! Je vais le dire à Jill, hein! Attention à toi! Allez, il s'attaque les points faibles! T'es avec qui sur Overwatch? Je vais partir en solo, je pense, sur Overwatch. Petit solo, petit 34 solo Q tranquille.
le plus grand des calmes. Les marches et... Tiens, je lis... Il là. Moi, je peux passer... Ah, mais il faut que je fasse un bâtiment... Faut que je fasse un marché. Ouais. Fais un marché. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, eux? Ils bossent plus. Ils ont arrêté de taffer. Super. Trop mort. Super. Trop marre le travail. Trop marre. Trop marre du travail. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes sérieux là à balancer des gang gang partout là? Putain, on dirait le chat de Locke. J'en peux plus, il m'a même pas host et il m'a même pas host et full gang gang quoi. Quel enfer. Puissance des sbires quoi. La puissance des sbires. Bah ouais. Full sbire. Sbire dévoué. Merci. Merci au Fkurs pour les 17 mois. Et Billy Boudjeman. Merci les copains. T'as lancé la squad stream du coup? Ouais, tout à fait. Ouais. Top! Bah n'hésitez pas à aller checker le POV de Wingo qui sait jouer au jeu lui. Hein? Non! Ce n'est pas vrai! Si, si, c'est vrai, arrête de mentir. Vous êtes attaqué par des animaux sauvages. Qu'est-ce que tu fais avec ta charrette et 26 chez moi? Je fais du marché. Ok, ok. Je vais acheter du poisson. Marchandon. Il fait vraiment de l'impe là par contre, je suis assez déçu de moi-même, au global. Au global Tant pis, au global élite. Alors, Alors, allez, parlons d'autre chose. J'adore. Oh, j'ai cliqué HD Château. Oh, mais je suis complètement à la bourre. Ok, très bien. Vous venez de mais passer non, là, mais... on est d'accord. Ah oui, vous venez de moi, passer. Je suis Château. Ouais. Moi j'ai fait un late start castle into ouais. Shukonu d'élite. C'est un build order assez opti. Bonjour à tous. J'ai silencié. J'ai silencié, bonjour à tous. C'est hyper technique là, ce que tu nous racontes quand même. 7. Bonjour à tous. Pom, 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 pom. En fait, ce qui est chiant, c'est que là, du coup, comme il y a les tours de garde, pour attaquer un mec, c'est un poste. Un poste. Un poste. C'est un poste, c'est un poste, frère. Frère. Frère, c'est un poste. Tocrate. Attends, les Chinois ils ont quoi comme truc spécifique? À part les. Enfin, genre, c'est quoi leur buff? À part qu'ils se suicident. Mais non, ouais. Ils se suicident pas, il y en a un, il s'est pas suicidé, c'est un éléphant qui l'a massacré. C'est encore autre chose. En effet. Est-ce que je vais faire Monster Hunter Iceborne? Ouais. Ouais. Oh oui. Je vais faire GTFO aussi, enfin il y a trop de trucs à faire, c'est terrible. Je panique. Le chat me fait paniquer. GTFO. J'ai un run qui se panique. Get the fuck out. En vrai, les gars, si vous voulez du bois, bon, je vois Pringo, je prends rien, mais Alpha, au milieu, c'est. Mais oui, mais c'est la forêt au milieu, what the fuck? Ouais, bah, du coup, j'en profite là. Ouais, pareil. Non, mais moi, je vais faire un forum en fait, au milieu. J'ai fait. Oh le petit bâtard. Tu vas te faire. Tu vas te faire. Frère, petit bâtard. On va aller vers là-bas. Ok. Pas mal. Pas mal là, si ce profil. Pas mal. Pas mal du tout, j'aime. Bon, j'aime. Le violet, moi. Jamais. En fait, le truc que je fais pas assez, c'est juste de continuellement cliquer sur des villageois à prod, quoi. Oui, mais. Trop souvent, je m'en retrouve. Non plus, hein. Attends, quel est l'intérêt de cette recherche? Les unités converties par un moine ennemi. Ah, oui, non, ok, j'ai compris. C'est vrai, du coup, c'est hyper utile. On a rien compris. C'est un truc. Les unités converties par un moine ennemi, le missionnaire meurt au lieu de prendre la couleur de l'ennemi. Mais non, mais moi je veux qu'il soit avec moi. Ah, c'est pas mal ça, j'avoue. Ensuite j'ai compris que c'était. T'as compris que t'étais bête quoi. Voilà. Bien joué. Bac de pouce. Belle upgrade ça. Je trouve ça rigolo comme nom d'upgrade. Bac de pouce. Très très belle upgrade là-bas. Vous trouvez pas? Elle est utile. Pour tout ce qui est archer, ouais, c'est insane. C'est insane en vrai.
J'y ai pensé au moment où En vrai, c'est insane. Quoi? Ah, mec, c'est okay. Vraiment insane. Oula, ils ont beaucoup d'archers. Quelqu'un se fait attaquer? Non. C'est juste mon archer de cavalerie qui va... Sachez que le violet a pris très cher. Voilà. Déjà? Ouais, je l'ai mis un peu au fond là. Et t'es un passionné de violence, dis-moi. Moi j'adore tout ce qui est à base de violence, meurtre, kill, j'adore. C'est un peu ce qui m'anime dans la vie. Pas vous? Ouais. Oui, bon. Ouais, beaucoup. Coup, ouais. Niveau dialogue, ça va pas être pour soir du coup. Ça va pas être pour soir les dialogues, non. Non, mais là je me concentre. Parce que je suis trop nul, ça m'énerve. Et Alpha, ne dis pas ça, c'est pas vrai, tu le sais en plus. Non, mais si, je suis trop nul, ça me saoule. J'aime ce jeu, mais je suis trop nul. Et Alpha, ce n'est pas vrai. Mais frère. Frère, je te dis que je suis nul, frère. C'est de l'aristocratie, c'est pas vrai. Aristocrate. Ah, c'est pas mal ce que je produis là. C'est bon, pas mal prod, ce que là. Moi j'aime bien ce que tu produis. De manière générale, je trouve que tes prods sont plutôt stylés. En tant que beatmaker, ça me fait vraiment très plaisir. Beatmaker là. Beatmaker là. Beatmaker. Beatmaker. Sorte de... Oh, mais fais pas des tirailleurs, je t'en supplie. Comment ça, le méchant il fait des tirailleurs? Ouais, Le jaune. Bête, le hein. Jaune fait des tirailleurs. Il a d'être ça, mec. Ah mais je sais pas qui c'est le jaune, ils sont tous rouges pour moi, parce que j'ai pas les bons yeux. Alt-G. Alt-G. Je crois que c'est ça. Oh énorme. Ah oui, t'as vu les couleurs, c'est énorme. Moi c'est le chiant qui est en face de moi. C'est vachement pratique le Alt-G. Ah mais il va me fumer là, fumax au max. Comment ça quoi? Il y a déjà un petit fantassin chez moi là, il a cru que c'était chez Mémé là? Comment ça se passe? Mémé les orties là? Hein? Non mais n'importe quoi en fait. Plus de production! Trop de bois! J'ai beaucoup trop de bois! J'ai 5 de nourriture. C'est peu! C'est léger ça quand même! Non, je suis bien, je trouve. En vrai, je suis connaisseur, c'est peu, hein! Je n'ai pas de bois. Oh putain, il m'attaque! Non? Bon, ça va. Y'a besoin d'aide? Où ça? T'es keep scouting, non c'est bon. Ok. Tout va, y'a un... Ouais, y'a un mec au milieu de la map, je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il fout le moine là? Y'a un moine, il se balade chez moi, ça y est, tranquille. C'est vraiment la foire à la saucisse, hein. La foire... Non mais mec, y'a un moine qui se balade chez moi, gros. Oui, il va chercher... Il va chercher une relique, ce petit bâtard. Champleux. Vas-y, bon, bah les couilles. Vas-y, les bûcherons là, assassinez-le là. Quoi, aller à l'écurie. Mais wesh, c'est où? Hop là, j'en ai les binds. Changement de bind, calme. Ah, il a beaucoup quand même. Ah, il a vraiment beaucoup quand même. Au secours. T'as attaqué? Ouais. Ah oui, j'arrive. C'est chaud. Ah bah attends, je vais lui fumer des villageois. Ok, on commence à être pas mal là. Ça se passe comment entre Wingobert et la pierre? Ça se passe que j'en ai bien assez peu. Mais t'as fait tranquille? Il s'est cru chez Mémé lui hein. Il fait un camp de mineur chez moi. Non mais vraiment pépère hein. Pénard. Pénard. Oh là, vas-y tu peux le défoncer lui. Hop là, c'est gratos, merci à toi. Fais gaffe par contre parce qu'il y a... Il y a les potes qui arrivent avec. Mais j'arrive pour clean tout ça là. Moi j'ai un château qui va bien m'aider, T'as fait un château? Bah ouais mon gars. Oh
C'est que ce bordel là. Ah, c'est juste eux qui m'attaquaient. Mais vous avez pris toutes les reliques? Moi je suis en train, ouais. Ok, ok. Je suis content de ce moine du coup. Allez, le château il va faire du bien là. Ah oui, petit castle défensif qui fout le mieux. Us. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse là? Il est venu finir son camp de mineurs, hein. Le toupet de cette IA. Le toupet, mon gars. Ah, j'ai des choukounous de Chukeliang là, ça va chier. Ça va, tes souhaits. Tu connais pas les choukounous? Ça a été la meilleure arme dans le monde pendant trop longtemps, avant les arquebuses. Ah ouais? Ouais. Arbalète à répétition. Mais pourquoi je suis stupide? Que quelqu'un me le dise, en fait. Qu'on se questionne. Que quelqu'un fasse quelque chose. Que quelqu'un fasse quelque chose. Ouais. Que quelqu'un réagisse, quoi. C'est intolérable. Bon. Passons un P. Ah, c'est vrai qu'il y a le passif Grande Muraille de Chine avec les Chinois, du coup. Ouais, vas-y, passe, toi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Là. Faut attaquer par un crocodile. Comment ça, 18 qui foutent rien? Enfin, pas 18, du tout, ça. Ça 18, ça fait, beaucoup, quand même. Quand même. Ok. Oh, insupportable. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Ouch. Allez, on aime bien les beaux murs. Mais ils sont infernaux. Un infernal des infernaux. Bien joué. Mon compte trip. Pas du tout. Bon bah on est bien là. Regardez cette belle base que je vous fais là. Je fais un effort. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux, frère. Mais ils sont. J'ai le jaune qui est au milieu de ma base. Attends, lui c'est le mien, lui. C'est mon poney. Arrête de le courser. Voilà, c'est mon poney. C'est mon poney. Voilà. Oui, j'ai une armée de moines. Mais c'est pas possible. Oh bordel, enfin. C'est chier là. Mais bordel. Et j'ai des mecs chez moi, tranquille, en train de. Me défonce. Mais qu'est-ce qu'il veut du pain, lui là? Je pense qu'il veut, ouais. Je pense c'est ce qu'il veut, ouais. Oh lolo. Ah, j'ai tout loupé. Putain, magnifique. Allez, les choukounous. On va arrêter de rigoler là maintenant. Oh putain, le mangono. Oh, le mangono! Sur la hauteur en plus, danger! Bon, c'est bien joué. Là, on va vraiment arrêter de rigoler. Mais pourquoi vous faites ça là? Vous êtes si relou. Ok, on back. J'ai compris. On back. Secours! Je suis en bas de la montagne, ça va pas du tout. Allez les choukounous là. Arbalète à répétition là, plus vite que ça là. Et ces archis de merde là, ils me gavent. Mais les IA c'est vraiment c'est un niveau d'insupportabilité qui est quand même assez élevé. Bah qui est assez intolérable je dirais même. Oui. Faut que je fasse une université le plus vite possible. Hein. Ouais, université, faut que je fasse vite. Ah,
Qui met Qui, bro Super. Oh, comment ça boit insuffisant, mais je vous déteste. Comment ça boit insuffisant avec tout ça, là? Vous mentez? Tu mens. Tu mens, tu mens. Comment ça, converti? Mais arrêtez. C'est ce qui m'en ouf avec l'IA, c'est qu'elle part dans tous les sens. Ah, mais... Et il est juste là pour te... Et je suis... la gueule. Oh non. Aïe. Non mais, je suis trop con, moi aussi, là. What happened? Arrête de partir là-bas, toi, putain. Minir. Ok. Je viens prêcher la bonne parole chez les amis. J'ai rien fait de... J'ai pas de forge. T'as pas de forge. J'ai pas de forge depuis le début de la game. Mais non. C'est un peu intolérable, je suis désolé. Ah non hein. Ils vont où hein, constructeur? Ça c'est pas permis hein. Ça j'avoue que c'est pas permis, j'ai oublié de faire ça. Je suis en train de suicider mes armées, tout va bien. Nickel. Bonjour à tous. Joueur professionnel de Age of Empires. Ah, t'y jouais sur PS2? Attends, c'était jouable sur PS2 Age of Empires, vraiment? Comment ça sur PS2 là? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes là? Je suis en train de rouler les mecs au-dessus de toi. Alpha. Cool. Ça va bien se passer. Ou qui sont chiants. Ou qui sont pets de couilles. Ou qui sont relous. Oulala. Ou ils m'énervent. Oulala. Ça j'aime pas quand ça fait ça. Ah non non non. Déjà on va faire ça parce que ça sera peut-être temps de faire des upgrades hein, quand même. Voilà. Mais pourquoi je manque tant de bois. C'est stupide. Stupide. Mais il a tellement de moines, l'autre débile des Ventis, putain. J'ai dit, j'ai une team moine. Regarde-le. Hop, team moine, il a dit team moine. Mais laisse... Laisse cette... Arrête de leur tirer dessus. C'est mon chameau, ça, c'est mon chameau. Gentil, le chameau. Bah non, c'est mon chapeau. T'as failli tuer mon chameau. Franchement, il aurait pas volé. Hein. Oh, tous ces projectiles magnifiques. Ah, la village, j'avais pas fait une université. Ah si, j'en ai fait une. On prend la colline. Cette caserne. Mais tous les moines. Mais vraiment, tu vas convertir la caserne? Ah mec, faut convertir une écurie et Ventis, comme ça tu pourras faire des cavaliers spéciaux aztèques. Attends, mais il y a un château. Tu penses que je... Viens, je rush le château, je le convertis. Vas-y, je les respecte pas, je fais un grand mineur devant chez eux. Ils sont barrés de ça. Moi, on peut pas convertir les châteaux, faux plan. Ah ouais? T'as pas une tech pour faire ça? Oh. C'est nul. Non mais en même temps ce serait très très abusé hein. Bah si tu dois vraiment mettre longtemps à le convertir, pourquoi pas hein. Oh la lourdeur du type. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh mais les bots là, insupportables. Bah les pauvres bots ils t'ont rien demandé quoi en fait. Tu les agresses, ils se défendent, je veux dire à un moment bien, on sera bien peut-être... trop demandé je pense. Allez, le château, ça dégage. Hop. Ensuite. Mais il a combien de moines, ce stupide? Attends, j'en ai d'autres qui arrivent. Oh, j'ai construit un château ici.
Hop, on va faire ça, et puis surtout en fait on va faire ça, 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 ça. Okay. Comment ça? Il y a juste le truc du... Ça. Je crois que c'est comme ça qu'on fait, je sais plus. C'est comme ça qu'on fait. Ah ça y est, j'ai les projectiles enflammés, c'est bien, c'est rigolo avec les choukounous. Ta 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 ta. Mitrailleuse. Mon mur est spécial par contre. Ah, ça y est, c'est gagné. On a défoncé un, magnifique. Bien joué. Ok. Incroyable combat qui se passe ici pendant ce temps. De mon côté, je n'ai plus d'or. Bah bien joué ça. Comment j'ai 18 villageois inactifs? Ah oui. Parce qu'il y a justement d'or à aller chercher. C'est d'accord. Non, 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 non. Voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent, eux ? Ah les choukounous c'est rigolo quand même. Ta 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 ta. Mitrailleuse lourde le truc. Qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Ils veulent du pain eux, qu'est-ce que quoi? Mais regarde-les là. Ils foutent le bordel. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous foutez là en fait? Les Byzantins. C'est bon, le jaune est mort. Non, il y a le jaune et berbère. C'est une bonne blague, ça, non? Apparemment, non. Apparemment, mon génie n'est pas apprécié à sa juste valeur. Mais non, mais vraiment, par contre, vous êtes aussi relou que ça, vous. Ah, les champions. Trop stylé, cette unité. Oh, il y en a marre des châtales. Là, ça fait du bruit quand ça tape tout ça. Hein. Oui, c'est un peu bruyant. Belle. Ok. Et bien, comme d'habitude, je ne prod pas assez. Bien joué, Ingo. Super. Bien joué à toi. Ah. Oh la merde. Cette palissade, elle veut dire merde. Plus personne ne rentrera dans mon château. Ah. Ah oui, la production est lancée là, ça y est. Arrête avec ton mangono horrible. Quoi mangono? Oh chiant. Quoi, j'ai rien fait moi? Non, pas toi, pas toi, pas toi. Ne t'inquiète pas. Et boum, tout bien. C'est fait. Le GG qui tombe. C'est le GG qui tombe, exactement. Allez. Donc là maintenant, il faut faire le last assaut. Mais c'est quoi cette armée de moines? C'est Eventis, c'est juste Eventis quand il joue à un jeu vidéo, il lit pas les modes d'emploi correctement, et ah. Je sais pas ce qu'il fout. C'est étonnant comme stratégie, oh. Et, oh, die. Pas. Et ça fonctionne, bah visiblement. Oh, ouais. C'est une tragédie, hein. Regarde, là, tu vois, tu t'embêtes avec le truc. Bon, regarde, attends, j'arrive. Regarde, je vais t'aider sur le petit canne d'archer. Mais putain. Comment tu fais autant de dégâts?
de dégâts. Oui. Moi? Non, les moines. Mais ils font pas de dégâts, les moines. Attends, si, si, regarde, regarde, je vais le bâtiment. Tiens. D'abord, ce chevalier à moi. Hein? Oh! Mais bah, bien joué ça. Allez, on les boutre. Voilà. Au moins, on peut prendre. Avez-vous entendu parler de la religion de la tourelle? L'île de la tourelle? Oui. Ok. Moi je connais celle de l'île de la tourelle. Ça, je suis pas le seul à y avoir pensé. Oh, je suis pas expert, mais je pense qu'il a perdu. Hein. Je pense que c'est loose. Hein. Je veux pas dire, mais je pense que c'est loose. Avec mon armée de trébuchés. Putain, j'ai envie de se sauver. Il y a trop de population. Hein. Je vais assassiner quelques villageois. Là. Bah, vous voyez, en alliant nos forces, c'est easy win. C'est là que tu captes à quel point le jeu est dur. Attends, mais l'empereur romain, c'est celui qui est tout en bas là ou il est mort déjà? Il est mort. Non, c'est celui au milieu qu'on attaque. C'est celui qui est au milieu, ouais. C'est celui qu'on est en train d'attaquer en gros. Oh, le son est si fort, mon dieu. Petit point d'ailleurs historique sur les choukonous. Oui. Ces arbalètes à répétition n'avaient pas une portée aussi grande qu'une arbalète normale ou un arc. Ouais. Et du coup, étaient peu précises. Et étaient plutôt utilisées avec du poison. Bien oh. Mettre dans le mal les gens en face, quoi. Mmh, une bonne ambiance à l'époque. Une belle arme, quoi. Une arme. Il y avait de l'ambiance. Une arme qui prouve les valeurs. Ah bien, GG. GG à tous, en tout cas. Ouais. GG à tous. Et c'était un peu facile. En fait, le problème, c'est que ça devient trop dur en difficile et en intermédiaire, c'est trop facile. Donc, est-ce qu'on peut le faire contre une IA en difficile? Wingo avec très bien le score de Wingo. Tout va bien. Hein? Beaucoup trop chaud. J'ai pas vu. T'as 18 351. Putain, oui. J'ai presque 14 000. Et puis Eventis il a 10 000. Mais moi c'est parce que j'ai fait une strat spéciale, c'est pour ça. Putain, j'ai fait un âge des châteaux en 20-03, mes coachs qui sont dans le chat là. Oui, c'est alors, pas mal. Oui, exact, comme me dit le chat, on peut faire un 3 versus 5 en intermédiaire. 3 versus 5. Je suis pas sûr que ce soit compliqué parce qu'on sait. On s'est quasiment pas fait attaquer en fait. Non, c'était chill. Ils m'ont un peu embêté, mais c'est tout quoi. Alors attends, du coup, il y a mon frangin. Est-ce que Trauma est là? Il y a mon frangin qui voulait venir. Attendez, je reviens. Je vais juste faire en sorte qu'il puisse nous rejoindre en vocal. Moi, je vais vous laisser là. Voilà. Vous n'aurez plus de prêtre avec vous. Je suis désolé. Ah bah, bonne game. Merci à toi, Eventis. À tout. Merci, Eventis. Passe une bonne soirée. Au plaisir. De même. Je te laisse animer le stream, Wingo. Je reviens. Allez. Salut. Non, alors du coup, ce que je viens de dire pendant que j'étais mute, c'est que merde. Oui, parce que moi je joue archer de cave et je me demandais si je devrais pas plutôt jouer full knight parce que ça avait l'air vachement bien. Et au pire avec les 1, c'est pas grave parce que c'est plutôt fort. En mode je joue archer au début parce que c'est quand même fort. Et ensuite à l'âge château, je switch directement knight. Et voilà quoi. Mais je fais pas autant d'archers de cave parce que là j'avais tellement d'archers de cave et ça servait à rien. Et peut-être que ce serait mieux de faire ça. Mais c'est vraiment dur, hein, putain, et Joe, c'est grave. Vous avez mis des IA de là 2 parce que ça change beaucoup. Quoi, bonsoir, quelle était cette suite de mots qui n'avait peu de sens? Je n'ai point compris. Par contre, j'ai toujours un problème avec l'or. Enfin, un problème. À la fin, j'avais 7000 de tout, donc pas forcément, mais. Mais je sais pas, j'ai récolté 30 000 de bois, 23 000 d'or. En fait, comme mes chers compagnons, hein, finalement. Ah oui, vous avez mis les dias de la DE. Ouais, je sais pas, c'est pas moi qui fais la game, j'avoue. Ouais, pas dire. Mais je pense, ouais, je pense que c'est ce qu'on a mis. Quand tu mets les dias, il y a plusieurs choix. Prendre les autres, ceux de base sont vraiment nuls. HD version CD, c'est quoi la différence? Il y a pas mal changé entre l'édition standard et celle d'après, mais je pense que oui, là. Mais c'est laquelle la plus dure et c'est laquelle celle qu'on devrait mettre.
Et je sais pas. Et je sais pas du coup. Age of Tatar. Il faudrait que j'apprenne à jouer avec les maisons. Parce que si j'apprends à jouer avec les maisons, je pourrais jouer avec quasiment toutes les civilisations du jeu. Et du coup, beaucoup plus m'amuser que ce que je suis en train de faire. Mais celle de la DE, ça change beaucoup. Oui, mais c'est quoi qui correspond à celle de la DE parmi les trois? IA version CD, ultra simple. HD est déjà assez dur. DE, je connais pas. Donc IA tout court, c'est celle de la DE. Je pense. Ok. Ok, je sais pas. C'est bon à savoir. Simplement. C'est plutôt bon à savoir. Mais ouais, je savais pas du tout qu'il pouvait y avoir une différence entre... Bah, tu me diras, si elles sont indiquées, c'est que forcément il y a une différence, mais je savais pas à quel point. Tu fais partie des invités du FFA de demain? Non. Non, non, je ne fais pas partie des invités du FFA qu'il y aura avec Zera. Totalement pas. Pour ça, hein, je participe juste à SOFFA. Allô, tranquille. Allô, allô. Attends, allô. Salut, mec. Comment ça va? Salut. Eh ben, ça va bien. Et toi? Ben, écoute, ça va. Ça va, ça je va. Sais pas s'il y a beaucoup de monde. Non, mais tu as déjà vu Wingo, non? Bah, il est... y a que Wingo? Oui, il y a que non, moi. Y a... D'accord. Y a Roma qui va arriver. Oui, je t'avais vu au kayak. Attends. Et oui, tout à fait. Tout à fait, le kayak rassemble. Je parle dedans parce qu'en fait, ça montre si ça détecte. Ah, là, on est en train de calibrer le micro. Allô, allô? Oui, régalez-vous. Là, faut que tu le laisses bien au minimum. Kayak rassemble. Bah, après, est-ce que Wingo, t'as des oreilles encore ou pas? Moi je dispose d'un maximum d'oreilles, ouais, tout à fait. Bon, mais quand je parle, ouais. ça t'explose pas les oreilles. Ah non, ça va. Non, non, non. Ouais, mais il y a le technicien qui tout habille, c'est pour ça que ça va. Technicien Alpha Cast. Allô? 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 Hey. Alors, le volume de Nico. Vas-y, parle un peu. Oui, je suis là, présent. Ok, top. Nickel. Donc, il manque plus que Trauma. Est-ce que Trauma vient? C'est ça la grande question. Bon, on vient de battre une IA en intermédiaire sans trop de problèmes. Ah, c'est bien. Ça a été. C'est facile en fait, intermédiaire. C'est le truc au-dessus qui est vraiment dur, je trouve. On n'y arrive pas. Alors attends, est-ce que trop. Ça se teste en vrai, en 3 et 3. Vous avez mis quelle difficulté avec Kenz? On a essayé le plus difficile, on s'est fait exploser. Ouais, extrême. Non, pas extrême, le truc en dessous. C'est pas difficile. Non, c'est... alors attends, il y a difficile, très difficile et extrême, non? Ouais, c'est ça, ouais. Trop, ouais, ouais. On s'est fait éclater en très difficile. C'était. Putain, carnage. Non, mais les bots, ils sont vraiment, vraiment vénères. Ouais. Ils sont énervés un peu. Ils sont un petit peu énervés. Salut, c'est Eldel. Je viens de terminer la longue VOD d'hier de Age of. Je suis donc ravi de pouvoir continuer à assouvir mon addiction avec un nouveau stream. Ah, cool. Bah écoutez, là je pense qu'on a le temps pour une game. Allez, peut-être deux, on verra. Overwatch, on commencera entre 20h et 21h, je pense. Du coup, je t'en ai mis, normalement je te vois. T'es connecté sur le jeu, Nico? J'ai une mise à jour. Ah, super. Non, mais ça arrive, ça arrive. Ouais, ouais, pas de soucis. J'invite Wingo. Ouais, vas-y, ouais. J'ai pris une autre invitation, mais ça marchait pas. Si Trauma peut venir. Parce qu'il manque qui sinon? Bah juste Trauma. Ok, ok. Et là vous allez jouer quelle civilisation là? Bah je sais pas, moi j'ai testé les Chinois juste là, là. C'est pas mal, okay, les Chinois. Okay. Moi j'ai joué les Tétards. Les Tétards. Sachez que le mime des Tatars, ça vient de mon frère. Hein. Ça vient la Nico là, c'est mon frère sur le PS. Ça vient de mon frère parce que genre il avait testé les Tatars. Ouais, j'ai le copyright. Et c'est ça. Il avait testé les Tatars avant que je parte au Game Pass et il m'a dit, hey, les Tatars c'est bien. Et il m'a expliqué ce que c'était et moi j'étais là, ah ouais. Et genre je me suis intéressé à la civilisation et du coup après j'ai saoulé Zera pendant le cast avec ça, donc le coupable du même Tatar, c'est Nico. Mais bon, après, en fait, je les ai joués qu'une fois et je pense que j'ai eu de la chance. Hein. Mais tu sais qu'ils sont forts parce qu'en plus, ils ont été augmentés là. Avec le dernier patch, les Keshiks sont plus costauds. Ils tapent un peu moins fort, mais ils sont plus costauds. Donc voilà, la source du mal, c'est ça. Alors, du coup, je vais vous inviter dès que vous êtes prêts. Moi, je t'ai invité, ni Wingo. Bah, ah non, je t'ai pas invité sur le bon compte. Ouais, non, j'ai pas reçu.
Ah là là, avec les versions Game Pass et tout, quel bordel. Ouais, sinon on fait triple tatar. Triple tatar. Après, le bonus d'équipe, il est pas fou, ouais, je crois. Il est à chier, du coup. Ça, ouais, il est nul, leur bonus d'équipe au tatar, ouais. C'est ça le problème. Ah bon, c'est bah, pour jouer en solo, ligne en fait. De mire des archers de cavalerie plus 2. C'est ouais, un peu c'est nul. Ça. Ouais, mais bon, c'est un peu nul. Après, si ça se cumulait, ce serait marrant, mais je pense pas, tu vois. Je pense pas. Non, qu'est-ce que je vais jouer, moi? Je ne sais pas, en vérité. Je ne sais pas. J'ai envie de tester avec les Malais. Les Malais, c'est rigolo, je trouve, avec les guerriers à 40 bits. Est-ce que vous savez comment on enlève la voix dans TS? Un peu comme le mode streamer de Ah, de faut Discord. Enlever toutes les notifs et tout. Faut enlever les notifs. Mais tu sais options, dans quel onglet c'est? Je sais plus. Je crois que c'est dans son, notification, un truc comme ça. Si ça se cumule, le mec il tire depuis l'autre bout de la map quoi. Non, c'est juste ligne de mire, pas portée. Bon, j'ai l'impression que trop bas va venir. T'as fini la match bientôt, Nico? En fait, là j'ai fini. Là je testais le son parce que le son était hyper fort du jeu. Ouais, ouais. Là je suis en train de chercher, faire les niveaux, mais c'est bon. Ça j'enlève. Cool, good. On a l'actuel, machin. Éthiopiens, ils ont quoi déjà? Et donc là, t'as invité ou pas là? Parce que moi, c'est non. Bon, je suis sur le jeu là. Ah ouais? Ouais. Je t'ai invité déjà, mais je vais te réinviter. Là. Je pense avoir trouvé. Alors. Bah, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Le Dark Chevrolet. Éthiopien. Éthiopien, guerrier à Chotel. C'est quoi un guerrier à Chotel? C'est eux là? Ok. Ah, c'est bon, il y a Nico. Avec les tatars. ensuite, les Malais. Les Malais. Faut que tu me réinvites, je pense, Alpha. Hop, je te réinvite. Ouais. Ça me saoule. J'ai trouvé pour les notifications, mais il y a le truc que quand t'es mute, ça te fait un bip bip, c'est pour dire que t'es mute. Ah oui, oui. Je ça, c'est un ça truc aussi. Que tu peux désactiver. Faut que je trouve ça, ouais. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'il est. Au pire, tu te... Ouais, non, ouais. Ouais, je passe. M'embêter. Bon, mais normalement, t'as dû recevoir l'invite, Wingo. Attends. Combo steak tartare et œuf mollet. Œuf mollet, steak tartare. Yes, excellent office. Ouais, hein, mais il faut que tu joues à steak du coup. À steak tartare et œuf mollet. C'est bon. Pourquoi enfin, on a pas, le menu là. Pourquoi je vois pas ton invite? Attends, je vais la réinviter. En fait, je te vois pas dans le jeu. Je t'ai invité dans le lobby là. C'est bon. J'ai reçu l'invite. L'invite in-game marche pas en fait. Faut faire clic droit dans le menu. Trop bizarre. Parce que ouais, Malais, ils ont quoi au total? Je crois que Malais, c'était fort avant. Ensuite, la population, là, tu la mets à 200? On peut mettre plus, hein. Tu veux plus? Ah ouais, ouais, ouais. Plus. Ah ouais, 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 500. Oh ouais. Allez, hop. Je portais. Mais après, ensuite, la difficulté hier, difficile, t'es sûr ou... Bah, en fait, on vient de gagner facilement contre intermédiaire et avec Eventis. Et là, tu vas être à la place d'Eventis, du coup... On peut essayer difficile quand même, allez, tu penses pas? Allez, on tente, ouais. Allez. Ou alors on met deux IA en difficile dans la même équipe et la dernière qui est toute seule. Ça peut peut-être être mieux, ça. Tu penses pas? Ouais, t'as raison. Ça, au moins, on y va progressivement, quoi. On va peut-être pas mettre Nega Random. Tu veux qu'on mette Arabi? Ouais, Arabi, c'est bien. Ouais, y'a pas les bateaux à gérer. Ah, mais du coup, Malais, c'est nul sur Arabi. Les bateaux. Pourquoi? Parce que c'est une civilisation navale, Malais. Ils ont plein de bonus navaux. Navaux? Oui, navaux, je pense. Les Khmer. Ah, les Khmer, naval des navaux. Ah, je vais essayer les Hongrois. Les Koumans. Non, les Koumans, c'est bon. On en a assez vu. Oh, bordel. Et après... Non, tu peux jouer les Francs, c'est très fort avec moi. Ah oui, avec les 1. C'est hyper fort avec les 1. Ah ouais, comme ça tu produis vite.
Ouais, mais non, ça va être bien aussi, moi. T'inquiète. Parce que je vais faire de la. Les Hongrois, ils font des hussards. Ok, ok. Archers, ils ont. Hussards hongrois ne coûtent pas d'or. Ensuite. Ouais, c'est une unité unique. Cavalerie d'éclairage, cavalerie légère et hussard coûtent moins 15%. Ok. Donc tu peux faire des scout rush avec eux. Eh, les villageois, tu les loues en un coup. Là, je vois, il y a marqué. Là, tu n'as pas coché l'exploration partagée. Ah, tu préfères ? Bah, je sais pas, c'est comme vous voulez, mais au final, la technologie, elle existe ou pas ? Bah, en fait, non, c'est juste le marché. Dès que t'as le marché, c'est bon. Ah, d'accord. Ouais, bah, on reste comme ça. Ouais, on reste comme ça. Joue franc ou hongrois ? Ah, je sais plus. Franc ou hongrois ? Bon, vous savez quoi ? Vas-y, hein. On va prendre les francs. On va prendre les francs. On attendait Troma tout à l'heure. On va jouer les francs. Allez, c'est parti. T'as pas choisi ta couleur. Bah, vous n'avez pas choisi. Ah oui, non. Ça va être. Wow. Mais moi, j'ai. Bah oui, connard. Merci, Sora, pour l'année de sub. Mais, ouais, non, c'est ok. De toute façon, moi, j'ai les couleurs par défaut. Hop. Eh, par contre, je sais pas si t'as vu Nico, mais les éléphants, c'est terrible. Hein. Ils sont complètement fous. Ils sont fumés, les éléphants. Ils courent trop vite, c'est trop dangereux. C'est vrai que c'est... Mais par contre, je sais pas si ça donne autant qu'un sanglier, tu sais. Je crois que ça donne plus même, non ? Sanglier, c'est combien de nourriture ? 250 ? Oui. Ah, c'est 300 l'éléphant. Ouais, bah voilà, c'est plus en plus. Profitez. Ça met yimbe. Ça met trop yimbe. Mais trop bien, frère. Ah oui. Du coup, les francs, ils ont des bonnes fermes aussi, je crois. Bonne ferme, ça, mais. Ok, j'ai trouvé un sanglier. Hop, hop, hop. Oh. C'est hyper dur de se faire un mur sur cette carte. De mon côté, c'est complètement goldé, mais ouais, je pense que ça dépend des maps. Enfin, ça dépend de où est-ce que tu spawns plutôt. Je suis en train de dire, ça n'avait pas de sens. Alors, j'ai mon premier sanglier qui est là, mais where is my second sanglier? Qui va aller là, mon premier sanglier qui est là. Ah, j'ai deuxième qui est là-bas. Belle prod, belle prod. J'ai fait cette prod. Oh là là. J'ai eu chaud de ouf. Ça aurait pu être un drame, hein. Ah bon ? C'est arrivé. J'ai failli perdre un villageois d'un sanglier. Toujours le duel du début, hein. Ouais. Quoi ? Toujours le duel du début. Ah ouais, hein. Mais ça va avec le pool. Voilà, okay. Merci Sora pour les 5 gifs de sub. Merci à toi Sora, très gentil. Bienvenue. Outils, options, notifications, sound deactivated. C'est ça pour TS, pour mute le truc. Merde, j'ai pas. Pour mute le bruit, le bip bip. Ouais. Ok. Moi je vais voir mieux. Pré-libé. Je sais pas français en tout cas, hein, ce qu'ils disent, hein, moi je vous le dis. Hein. Je reconnais pas de français là. Zéro Frenchies. 0-0. Mais c'est pas vraiment du vieux français, on est d'accord. Vieux français. Oh. C'est pas un moment artisan. Français là. Si, ils disent artisan. Les francs. Ouais, je pense que c'est vieux. Ah, oh, je perds un villageois. T'as perdu un ville ? Ouais. Aïe aïe aïe. Bah du coup, mon positionnement sur la map est
Full goldé. Pour le coup, on met archi bien. C'est goldé, frère. Mais ça arrête jamais. Oh non. Ah, elle a dit certes. Certes. Ouais, mais ils disent quelques mots français quand même. Bon. Ça, c'est... Bûcheron. Oui, non, si, ils disent des mots français quand même. C'est mauvaise langue. Bûcheron. La bûcheronade. Et hop. Ça ressemble à de l'occitan en vrai. Ah ouais. Voilà. Marrant ça. Que les francs parlent occitan. Des bas. Des francs du sud. Ça, ça va plaire encore plus à Thomas. Les francs du sud. Mais je suis en déche de nourriture un peu là. J'ai l'impression. J'ai pas trouvé des cerfs. Y'a des cerfs ? Fais des tours avec ton cavalier, hein. Ouais, ouais, normalement t'en. Je cherche pas trop les cerfs de mon côté. Comment ça, Mikatos ? Pas un 3v3, c'est normal. Comment ça ? Quoi ? Pourquoi vous dites ça ? Ah oui, parce qu'ils sont dans des équipes différentes. Ah ! Oui, parce que l'IA est en vraiment difficile, on a peur. Là, t'es, on a juste peur en fait. Non, non, difficile. On est okay. Des petits. C'est déjà plus dur que ce qu'on avait la dernière fois. Bah d'ailleurs, tu Hop. Oh, il va y avoir un mec ici, c'est obligé. Ah quoi que, il est peut-être plus loin. Hop là. Hop là! Je suis tellement en retard moi. Alors? Je suis tout le temps en retard pour le faire. Mais elle gonfle! Ah bah là. C'est trop difficile! Ouais, mais je sais, mais c'est dur! Il est dur ton jeu là. J'ai de mour. J'ai de mour! Le pari, je me wall pas. D'accord. Bruit. Ouais, le bruit. Bruit. Il était pas ces bruits avant, je crois. Si, si, mais il était un peu plus. Un peu moins modernisé. Mais c'était la même base. Ok. On était sur une base. Bruit. Qui était un peu plus rough, un peu plus cru. Rough, je suis à 50%, je suis à 40% derrière toi. Faut vraiment que je joue les malais parce qu'ils peuvent passer à l'autre âge plus vite. C'est surtout ça en fait. C'est vrai que c'est pas mal pour ça. Je vais être le bon dernier, hein, yes. Je pense que tu pourras. Comment ils vont les tatars? Bah écoute, c'est mon frère qui joue les tatars là. Et ils vont bien a priori. Oui, ils se portent bien. Après, le vert il est protégé. Wingo t'es protégé. Hein. Ah, mais moi j'ai la meilleure place de la map, hein, clairement. Sébastien, développe ta défense. Hein. Il y a le jaune qui est là. Hein. Bah oui, parce que normalement ils vont t'attaquer. Bah nous on sera les premiers à attaquer. Wingo, il y a le bleu vert qui est là. Bah super! Et ouais. Très bonne ambiance. Ambiance correcte en tout cas. Ambiance correcte. Excellente. Café. Café. Couleur. Assistant.
me frustre de faire la brouette. Ça prend trop de temps et à faire. Et pourtant. C'est trop bien comme upgrade, c'est ça? So fucking good. Ah ouais, ça fait quoi comme upgrade? Bah, en fait, c'est parfait quand tu commences à te rapprocher de ton... De ton click castle, là. Quand tu veux être un boomer. Ah. Quand tu veux boomer. You can boom it. J'ai pas du tout assez de la nourriture là. Le bleu là. Ah, c'est toi. Perlf. T'as valié, non? Je vais pas te manger. Hein. Oui, bah, on sait jamais. Hein. Mais j'en ai connu. Hein. Merde. Ah, je m'en souviens. Hein. Qui est mort? Pourquoi je fais une tour? Fail. Je sais pas pourquoi je fais une tour. Ouais. Le mouton qui me sert de scout, hyper bien. Hop. Passer à l'offensive bientôt. Bah d'ailleurs, je t'ung. Voilà, il y a un truc sur lequel je suis très consistant, c'est mes placements de ferme qui sont magnifiques. Ah. À chaque fois, c'est toujours une œuvre d'art. Alpha Cas d'Amido. Je suis très fier de mes placements de ferme. Voilà. Oh, tout à fait. Toilette, je pense. Attaque. Ah ouais, déjà? Ouais, bah là c'est du difficile. Hein. Ok. Là, ça me paraît un peu mal barré parce qu'ils sont déjà là. Pour beaucoup? Je vais faire ce que je peux. Hein. Mais déjà là, moi je les vois pas, moi. Beaucoup chez toi? Ça va, mais. Moi je pouvais. Je pensais faire un. Avec HD Château, mais là ça me paraît compromis. Là. Oh, trop marrant! Trop marrant ce qui va peut-être se passer. Ah non, il va bien s'en sortir. Bon, ouais, ça va aussi, tu vas pas rester chez moi impuni. Hein. Ok. C'est assez mauvais là ce que je fais. On va attendre et on va passer. Castle. On va passer Castle. Mais vraiment. Non, j'ai plus assez d'or. Plus assez d'or. Ok. Le click castle a été effectué. Moi je me fais des murs. Des murs. Petits murs. Des murs kata. C'est pour des planètes gros. Ah, on a une belle vision sur la map là. Homme d'armes. Carry. Pastisor. Par le sens. Café, bûcheron. Pastisor. Café, Oilert. Pastisor. Moi je suis vraiment lent. Quelque chose qui arrive. On s'est full wall. Oh, full poussi. Ah ouais, hein, mais il faut, hein. Qu'est-ce que travaillez-vous, là? Bon, lui... Ça peut être possible.
Voilà. Ensuite. Ça. Ça. Ouais, c'est cet upgrade. Hop, voilà. Et à partir de maintenant, j'ai peur. Mais voyons pourquoi. J'ai peur. Il n'y a pas besoin. Hop. Je joue quoi? Je joue les francs. Aucune prod de ça. Oh putain, il est hyper proche de toi, ton ennemi là, Alpha. Oui. Hey. J'ai pas encore cliqué château, tout va bien. Ça y est, j'ai cliqué château. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, c'est juste un lion, on va le défoncer, pas grave. Oh, les villageois, c'est des boss dans ce jeu quand même. Ouais. Trop fort. Contre les animaux. Il y a des lions. Il y a des lions partout, j'en peux plus. Forking. Il me manque un de bois là. Ok. Ok, nice. Je vais attaquer ton ennemi, Alpha. Ah, c'est trop bien. Meilleure idée. I know. Y'a un mec chez moi? Y'a un ennemi chez moi? Ma forge. Là, je commence à avoir beaucoup de bouffe. Ah, go faire une attaque Alpha. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, petit. C'est bien que ça. Ouh. Je pense que avant de spammer spammer l'or, il faut que je fasse mes upgrades là. C'est pas du tout bon ce que je fais. Et lui là, continue. Les emmerde bien là. On le fume. J'arrive. Quick. Et attends. Ouais. Oh oui. Pastisor. C'est bon. Et y a des piquets là. Voilà, ils sont clean. Tu peux revenir si tu veux. Ouais. Tu peux rester là. Comme ça, je te défends des piquets. Je suis en faire face, mais. Mais je défends. Bah, il va le buter, hein. Oh là, non. Ça va Nico? Ouais, ça va, ça va. Mais c'est un peu la merde. Non mais ah, faut mais aller aider Nico là. Mais, oui, oh, il a déjà abandonné. Bah ouais. Trop marrant, bah vite, faut aller aider Nico. C'est la merde. Oh, ah, c'était putain. Pas le mec qui était tout seul? Si, c'était le mec qui était tout seul ça. On arrive. Ah, j'arrive. Ça roule. Oh putain, chez Nico. C'est vraiment la foire la saucisse là-bas. Ouais. Ça va. Attendez pas. Les mecs, ils ont peur de mon château. Pas étonnant. pas étonnant. Ah, ça va, t'as pas mal de chevaliers quand même. Moi? Non, Nico. Ah non, c'est les chevaliers. Non, c'est les miens. De... Ouais. Ah oui, ok.
Et on peut faire ça. J'étais en mode vraiment à zéro, hein. C'est grave. Hein. Pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vais lécher le jaune en parallèle. Ok, c'est clean. Job done. Merci. Allez-y. Ouh, je vais prendre la hauteur là. Oh, oh là là. Ok. Yeah. Ça dégage. Quoi? Une fight? Ça dégage. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, je vais prendre ça, je vais sortir là-bas, je vais attaquer par le bien sûr. Ok, on va prendre les devants, les amis. On va prendre les devants sur cette aventure. On va faire ça ici. Voilà. Hein, clean. Ils coûtent pas cher leur château. Oh bordel, je me suis fait clean tous mes arts. Voilà. Merde, je prod pas assez, je prod pas assez. Bah super. Pas possible. Ça va dégager ça. Non mais il est rond. Ah, nice. Arbor Mindo. Hamurumindu. Oh, il est chiant le turquoise là. C'est clair ce que vous voulez. Il est infernal. J'ai pas mal de chevaliers moi là. Oh, il a beaucoup d'unités. Oh, ça va être compliqué là. Sur deux fronts en train d'essayer de. J'arrive. Putain, mais tu m'appelles pas. Bah, je veux bien un peu d'aide là-haut. Mais. J'arrive. La cavalerie arrive par le nord. Le chenot. Les cavaliers du Rohan sont là. Moi, j'ai pas de bois. Ça absolument. Ouais, je pensais pas que ça va se passer comme ça. Ça, j'arrive. Ouais, ils m'ont clean. Ils m'ont clean mes unités, t'es seul, hein, au cas où. Je perds pas toutes tes unités. Ils m'ont full clean. Je vais arrêter de faire des archers de cave. Ah oui, le mangono il fait mal là du coup. Ouais, le mangono fait trop mal. Je vais faire que des knights. Enfin, mille fois mieux. Mais comment j'ai si peu de villageois? Comment? J'ai eu le mangono. Nice. Ah, il me full kite. C'est horrible. Ok, retraite. Retraite, bon, c'est chaud là. Bon, retraite. Ouais, c'est bon. Tu sors Nico? Ouais, bah je refais mon écho là parce que. Ouais, bien. Normal. Mais là, un c'est. Un peu chaud! Je reprends l'épaule de la bête. Kay, bûcheron. J'ai pas de bouffe, j'ai full or, j'ai peu de bois. Ok. J'ai beaucoup de pierres. Bon. Il y a beaucoup de joueurs sur ce jeu dans le mode en ligne. Yo Kyria, ça va? Beaucoup de joueurs dans ce jeu en ligne. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Il y a une bonne com. Maintenant, oui, il y en a beaucoup. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a énormément de très très bons joueurs, quoi. C'est genre, ça rigole zéro en fait. C'est le problème, ouais.
Si tu commences, t'arrives, hey, il a l'air cool ce jeu. Pff, tu te fais écraser instantanément, t'es là, ah, c'est sympa. Bonne ambiance. Super. Super quoi. Bonne ambiance. Ah ouais, c'est vrai, n'empêche que c'est un peu le cas. Ouais, complètement, c'est complètement le cas. Comment ça, j'ai pas de gold. Merde. Le vol tes moutons. Ouais, j'ai vu ça. Viens, on va chez toi. Non mais mec, c'est le stade de la game. Où zèvent des moutons, hein. Attends, mais... Je mine pas de l'or quelque part, là, quand même. Tellement super. Loin de l'âge impie, c'est vraiment mal ce que je suis en train de faire. Moi aussi, je suis assez loin. Donc c'est comme ça. Ouais, clairement, ça va pas du tout. Hein. Est-ce que ce serait pas à limite intolérable? C'est complètement intolérable. Attendez, mais je me suis full wall, moi, comme un idiot aussi. Ça. Je me suis full wall comme un idiot. Prêt. Ah oui, ils disent prêt. Ah oui, je suis prêt. Attends, je viens de comprendre ça après des années. Tu leur cliques dessus, ils font prêt. En fait, je suis prêt. Ok. Qu'est-ce que quoi? Faire des fermes alignées. Non. C'est bon. Voilà, comme ça ils vont plus m'emmerder. Je vais pas les soigner toi là. Ah oui, soigne. Ils soignent pas automatiquement les moines? J'avoue, je sais pas du tout. Normalement, il sonne automatiquement. Ouais, je sais pas, il foutait rien. Il a regardé et était là. Mmh. Alors ça va les copains? Bah, wow. T'avais un moine qui dormait quoi. Quoi, wouah? Tu peux peut-être annuler ton château, Wingo. Là-haut là. Ouais, mais je vais perdre. Pas tout hein. Toutes les ressources, je crois. Non, 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 ça va te refouler une partie, je crois. Ah ouais, ça m'a refouler 400. Ouais, ouais, mais pas tout. Une partie. Ah, mais c'est déjà pas mal. Bah, ouais, c'est mieux que rien. Clairement. Oui, il y a un MM Capi, mais par exemple, moi qui ai beaucoup joué en 2v2 avec quelqu'un, si je lance en MM, là, je me fais vraiment fumer, quoi. Quoi, quoi, quoi? Oh putain! Ah. Il y a la foule armée. Et ils m'en veulent, hein. Eh, viens, on combat sous le château. Non, non, mais recule, mec, recule. Ouais, on peut faire ça. Sous les châteaux, mec. Il est juste. Non, 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 non. Non, non, faut que j'arrête toute ma prod ici. Prends les bananes. Hop. Voilà. Ensuite. Voilà. Ensuite ça. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'un jour je vais passer à l'âge impérial? Je doute. Bon, moi je dis il faut aller à l'offensive là. Il y a tes knights hein, par contre qui sont à l'offensive, fais gaffe. Ah. Ah. Merde. Merde. Putain, les knights quoi, ça arrête jamais de faire la... Est-ce que... Oh. Par contre il a des béliers un peu améliorés en plus de ça donc... Mais non, c'est mais j'ai sérieux fait des... Reviens, reviens. Faut vraiment qu'on passe sous les... Nico, tu peux nous aider?
Ouais. Oh bah t'as une belle armée, t'as des Kaishik et tout hein. Non mais mec, le niveau de tryhard, t'imagines qu'il suit ses béliers avec des péons pour les réparer pendant qu'on les tape. Ah ouais, ah oui d'accord, pas mal. Jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'a fait ça, je pense. Oh récuse, qui sont les 5 personnes. Alors, donc t'as besoin de... Envoyez-moi une flèche là. C'est où que vous avez besoin de rapport? Au milieu là. Au milieu, au milieu, ça pas de... Bah regarde les béliers là qui arrivent. Ah mais attends mec, j'ai des lanceurs de hache, ça va être parfait. Parce que moi en fait, regarde. C'est que s'il me déborde, au moins je serai prêt parce que là... Ah ça fait 0 dégâts. C'est de la merde. Là, non mais après, on a des armées aussi. Bientôt hein. À l'âge impérial là. On a de l'armée aussi, hein, t'inquiète. Hein. Vite. Et moi après, je les attaque direct avec les trébuchés là. Et après ça va le faire. Normalement. Bon allez, on va faire ça. Moi ce que je vais faire... Donc à partir de maintenant, on va prendre ça, on va faire ça, en fait il... là le problème c'est qu'on est en full night et qu'il a quand même beaucoup de piquiers. Ouais, t'inquiète même pas. Ah putain, et là cette unité de mort là, comment ça s'appelle, les ribotquins là, je déteste ça. Ah ribotquins, oui c'est portugais ça. Ouais ouais c'est portugais. Mais c'est rigolo, mais c'est pas OP je crois, hein. c'est pas si fort non. Bah quand tu le masses beaucoup c'est horrible. Ah ouais. Ouais ouais c'est vraiment très très fort quand tu le full masses. Ok. Oula, ce qui arrive chez Nico là, il nous dit rien. Bah après j'essaye de temporiser on va dire. Oui mais dis-nous. C'est des paladins. Oui c'est des paladins, tout va bien. Quel moment? À quel moment il a des paladins? Ok alors là les amis par contre... Je viens de faire toutes les upgrades de la terre. Je vais faire des archers de cave en masse. Et au moins on aura notre archerie. Je vous envoie tous mes knights. Et ensuite bah, au moins on aura notre archerie. Et ce bon bah là vous pouvez venir m'aider. Voilà là ok c'est loose. Ok. Un commun. Mais j'ai pas beaucoup de... Les renforts arrivent. La cave. Oh putain, ça coûte 1300 de. Ok, très bien. Ah oui, oui, les paladins, ça coûte trop cher. C'est bon. Allez. On va full prod là. Je vais full prod. Il y a encore des cavaliers là-bas. Ah ouais, il y a beaucoup en plus. Ouais, ils ont tellement d'armes. Ouais, ouais, mais fais gaffe, ouais. Le jaune a pas mal ouais. De trucs là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, gaffe. Je vais venir aider. Ah oui, on a 500 coffres en plus. Bah oui. Du coup, ça ne va jamais s'arrêter. Oh, les ribotquins, ils ont fait n'importe. Oh là là, les bonus en plus avec la hauteur, le delta de 50, c'est voire même 75 pour Nicolas. Incroyable. J'ai un problème majeur. Mais non, il n'y a que des solutions. C'est quoi ton problème majeur? Je ne vais plus avoir d'or, si ça y est un peu. C'est chiant ça. T'as plus d'or. Bah après t'as ton marché, tu le transfères, mais il faut que tu fasses la technologie. Bon, elle s'appelle, je viens de la faire là. Développement guild. Oui. Les guilds pour réduire le taux d'imposition. Ah oui, c'est dans le marché. Ouais, ouais, ouais. Quand tu veux faire une conversion. Non, en vrai, on devrait faire des charrettes de commerce entre nous, hein, aussi. Hein. Oui, oui, il y a ça aussi, ouais. Où ton marché, Nico? Ouais, il est là.
Wing. Thank you. Merci. Bon, ça va, on les a repoussés là. Ah ouais, ouais, on gère. C'est géré tout ça. Pour l'instant, quoi. Moi j'ai plus d'or non plus, ouais. Après, bon, j'aurais plus d'or, mais pour une bonne raison, quoi. Parce que, avec ce qui va arriver. Allez, les paladins francs qui se lancent dans la mêlée. Allez, je vais faire deux trébuchés au passage. Je trouve qu'elle est tellement vide la ville de Wingo vu qu'il fait pas de maison et qu'il est 1. T'as vu, c'est trop vide, c'est assez particulier pour ça. Les paladins de la lumière. Ayez foi en la lumière. Ah, tous les ribots de quins qu'ils ont fait, au secours. Ouais, mais regarde les ribots de quins. Zwip, zwip. À chaque fois, il les flèches. Zwip, one shot. C'est pour ça. C'est exactement ça. Vous avez éclaté, frère. La cavalerie arrive. La cavalerie prend plus. Sweep. Ouais, donc là j'ai plus d'or. Ceci dit. Voilà. Mais quel énorme bolos. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai un stack d'or dans ma base, en fait. Ah oui, je me doutais. Je me disais encore, c'est bizarre qu'il est pas. Le gros bête. Stupide. Bon, j'ai 44 archers de cave. Tu veux venir avec moi? Bah nous, on y va, mec. Avec nous, ça y est, hein, nous, c'est maintenant, hein, on y est. Hein. Ah ouais, ouais, c'est maintenant ou jamais, là. Ça coûte tellement cher, Blade, mais... Ah, les paladins de la lumière. J'ai jamais joué à Anno, non. Ah, j'ai jamais joué à Anno. Je sais pas si c'est bien. Il paraît que c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Des lanceurs de hache. Il y a des paladins en fil qui arrivent jusqu'au front. Ah oui, t'as vu. Parce que t'as mis le point de prod là-bas, non enfin, ouais, 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 le point de prod est là-bas. Attention aux ribotquins qui sont en pente. Putain, là mec, c'est vraiment l'énorme combo parfait. Quand les piquis arrivent, je les one shot. Et toi, tu cours après les ribotquins. Exceptionnel. Voilà. Ouah, y'a tellement de ribotquins là. Va sur les ribotquins, s'il te plaît. En vrai. En vrai, au secours. En vrai, frère. Attends, je pète ce forum là. Ouais, le forum est pété. Mangono, vite. Ok, j'arrive sur les ribotquins. Et de loin avec les trébuchets, je suis en train de péter les forums du mec. Trop marrant. Là, les ribotquins sont archi chiants. Mais fais gaffe par contre parce qu'il y a le château. Mais en vrai, je crois que tes paladins prennent rien avec le château. Je crois. Je suis pas trop sûr. On va full charrette chez Nico. Allez. C'est vrai que tu vois que les archers de cave ils sont quand même vénères. Mais les archers de cave sont trop forts mais en full upgrade, c'est ça qui est un peu compliqué. Ouais, j'ai l'impression que c'est ultra nul si tu l'upgrade pas. Moi j'ai l'impression que ça fait zéro dégâts. Ouais, c'est ça. Le problème c'est que le full upgrade bah, il coûte cher quoi. Ouais, un peu ouais. Ok. Le Anno 1800 il est vraiment cool. En vrai. Ouais, tout le monde me dit qu'il est vraiment top. Ok, bah attest hein. Attest. Mais c'est vraiment en full solo ou il y a possibilité de jouer avec, avec des gens en online aussi ou ça se passe comment? Bonne question. Ouais, justement ça m'intrigue. T'as testé. Ok, il a un deuxième château là, le jaune. Ouais, normal puisqu'il joue ribot de quin de toute façon. Pas étonnant. Il y a une crise.
C'est vénère aussi quand dans un 50. Ouais, c'est clairement l'unité. Oh. Quand tu les masses, ça rigole pas trop, quoi. Et ouais, c'est ça. Alors, en vrai, tu sais que c'est trop fort là. C'est en mode, tu fais 40 archers de cave, derrière tu mets 2 trébuchets, et voilà. Bon, encore une fois, on s'est pas fait beaucoup attaquer quand même. Non bah Nico, ouais. Nico... Nico il a pris le feu j'ai de Dieu. On va dire, parce qu'au début c'était vraiment chaud. Il a pris le feu de Dieu Nico. Bon, ça peut se jouer en multi mais les games sont longues. Mais du coup c'est quoi l'intérêt du jeu au global? C'est en mode c'est une campagne, c'est... Ouais c'est une campagne quoi. Ok ok. Là je pose vraiment les questions en mode full innocent qui connaît rien. Ça peut paraître abusé pour certains mais... Il en a fait tellement des ribots de 15, c'est stupide. Ben en gros, avec Kenz, un jour, on part en 2v2 et un mec nous sort ça. Et le truc, c'est qu'en gros, il a rush castle. Il est arrivé à, j'en sais rien, genre à 25 minutes et il avait 30 ribots de 15 et il nous a fumé tous les deux. Ah ouais. Parce bonne qu'on ambiance. Avait pas du tout. L'armée qu'il fallait pour tenir face à autant de requins quoi. Ah bah normal. C'est assez intéressant. Intéressant, le mot pour dire relou quoi. Ouais, c'est relou. On a râlé c'est sûr. Mais c'est intéressant comme game. Pour voir comment un V2 il nous avait éclaté à ce point. Ouais. Putain, il me fait si mal avec ses... Avec ces tirailleurs là, mais je crois que mon archerie leur tire pas dessus. En plus j'ai fait un énorme fail. Ah mais il a encore un château. Oh là là. Il ne s'arrête jamais. Oh la lourdeur. À la bataille. À la bataille. À la bataille. Quelqu'un besoin de nourriture? Moi, ouais, un peu, ouais. Carrément même. Alors, comment on envoie? Alpha c'est cast. Le bouton en haut à droite. Ouais. Tiens, Alpha Cast. Une offrande de la moitié de ce que j'ai. De l'or. Oh, pff, t'as vraiment 14 000 de nourriture? Mais comment t'as fait? J'ai les fermes, elles tombent bien les fermes. Elles tombent très bien les fermes. Mais what? C'est quoi pour l'occasion, on va en refaire. En fait, le truc, c'est que moi, les archers de cave consomment du bois et de l'or. Du ouais. coup, bah, si je prod plus. Enfin, et en plus, les villageois, ça coûte que dalle. Du coup, c'est assez fort pour ça. Mais mec, t'as vu la taille de sa base? Il a oui, fait non, mais c'est fou, qu'est-ce l'IA c'est un truc. Ah, Feitora, c'est le truc dont je te parlais, Nico. Ça génère des ressources tout le temps. C'est le truc portugais qui génère des ressources tout le temps. D'accord, c'est que j'attaque. Je sais pas, parce qu'on attaque beaucoup de trucs là. Ah oui, le truc en haut là. Ouais. C'est ça, Feitora. Mais mec, en FFA, ça va. Ouais, c'est un beau bâtiment. C'est joli. Belle architecture. Belle gueule. Portugais qui génère des 4 ressources, mais ça prend de la place de 20 de population. Ah ouais. Mais à jouer à tous. Aïe. Ah ouais, il y avait quelques châteaux chez Nico. On les a eu les difficiles. On les a eu, mais bon, ouais. On n'était pas en vrai 3v3. On n'était pas en vrai 3v3. Et putain, au début, comment j'ai cru. Putain, ma ville, elle est minable. J'ai fait le modal en 10-14. Waouh. C'est vrai que les villes 1, c'est un peu tristoun, quoi. Y a pas de maison. Y a rien. Les bâtiments, tout. C'est des fermes. C'est trop marrant. Ouais. Mais c'est épuré, quoi. C'est épuré. Eh bien. Donc on en fait une, là. Bah ouais, vas-y. Moi, je pense top. T'as le temps d'en faire une? J'avoue que j'avais pas mal prévu jusqu'à 20h à peu près. Du coup, je vais finir là. Ok. De mon côté, mais c'était cool. Bah ouais, carrément. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, merci. Bonne soirée à toi. Et à bientôt. Ah, à la prochaine. Ciao. Une prochaine sur un kayak. Oui, sur un kayak. De fou. Ciao, Wingo.
Bon, est-ce que Trauma du coup est dans le coin? Est-ce qu'il est là? Du coup, c'est mort pour ce soir. Ouais. Il y a des lampions et tout là. Ouais, t'as vu, c'est parce que c'est Noël, je pense. Il y a même des feux d'artifice. Ouais, ils ont changé l'écran. Et après, on peut jouer tous les deux. Hein. Ouais, bah carrément, carrément. Mais je demandais au cas où s'ils voulaient se joindre à nous. C'est plus dur que SC2. En tant que joueur de StarCraft 2, je trouve le jeu un peu lent. Vous pensez que j'aimerais? Bah, en fait, le jeu est plus lent que StarCraft 2, mais ça veut pas dire qu'il est plus facile. Au contraire. en fait, ça demande, je trouve, plus de rigueur que StarCraft 2 sur la gestion de ton économie, notamment, et les choix que tu fais. Parce qu'il y a tellement de ressources différentes. Déjà, SC2, t'as beaucoup moins de ressources. T'as juste Vespen et Minéral, en fait. T'as beaucoup moins besoin de villageois aussi. Tu t'arrêtes beaucoup plus tôt dans la partie de gérer tes villageois, ta macro, je trouve, que dans Age of. Donc, c'est différent. C'est très différent. Et il y a un truc qui est clair par rapport à SC2, c'est que les unités meurent en beaucoup plus de temps. Genre, c'est plus dur à tuer les unités dans ce jeu que dans SC2. Donc, il faut là-dessus, en effet, s'adapter. Mais bon, c'est un jeu de stratégie, tu sais. Hein. Si t'aimes bien StarCraft 2, tu devrais t'en sortir. Hein. Tu devrais t'en sortir, je pense. Mais oui, c'est pas du tout le même rythme. Bon, je recrée une partie du coup. Hop. Si vous pouvez, mettez les couleurs différentes pour chaque joueur. Et je m'y retrouve mieux. Tu veux prendre les Britanniques? Hein? Bah oui. Ah, ok. Je les connais pas trop, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu les as pas beaucoup joués. Tu les découvres un peu, quoi. Ah ouais. Hier soir, il a dit que ça allait être chaud pour aujourd'hui, comme il a joué hier. Ouais, non, mais il a eu une urgence, apparemment. Il a eu une urgence. Merci pour les subs. Merci Sliffer pour le Prime. Max Company pour les 100 bits aussi. Crapaud pour les 9 mois. Gurvans, merci pour le Prime. Bienvenue. Sinon, ça va. Merci aussi pour les 6 mois de soutien. À Brumatus pour les 3 mois. SpaceyP pour les 25 mois. C'est ici qu'on doit taper le message Jeanne. Jeanne, secours. Ah bah oui, on jouait les francs, donc forcément. On peut peut-être faire un combo de civilisation cool avec l'archerie. Si... Attends, c'est quoi leur bonus d'équipe? Quand Tiralak fonctionne 20% plus vite. On peut peut-être faire un truc cool avec les Britanniques. Et une autre faction qui soit spécialisée archerie. T'as les Vietnamiens qui sont une civilisation d'archers. C'est lesquels que tu voyais déjà la carte? Non, les reliques. Parce que les birmans. C'est super intéressant, les reliques. Les birmans. Et ça te dit de jouer les birmans? Attends, je sais pas, on peut voir. C'est moines et éléphants, les birmans. Les reliques qui sont visibles sur la carte dès le début de la partie. Pratique, ça. Ils ont cavalerie du Manipur. Ils ont Arambai, c'est de la cavalerie à distance. Et ton bonus, ça pourrait être cool qu'il fonctionne avec... Attends, ils ont quoi comme archer? Ah, ils ont pas beaucoup d'archers dispo. Hein. Juste des archers de cavalerie lourde, les birmans. En fait, ce serait bien de comboter avec une faction qui a des bons archers, quoi. Ah, les byzantins, ils ont plein d'archers différents. Celtes, vite fait. Chinois, c'est pas mal. Les coréens. Les coumans, non. Espagnols, vite fait. Ouais, oh, espagnols, ils ont que des archers normaux, c'est nul. Lego, non. Hongrois, vite fait. Hongrois, ça peut peut-être être intéressant de faire... Hongrois, ça peut peut-être être pas mal. Ouais. Et Hongrois, c'est quoi déjà leur bonus d'équipe? Archer à pied. Ah, vas-y, je vais prendre Hongrois avec toi si tu joues Britannique. Parce que les Hongrois, ils ont des super hussards. T'étais pas déjà Hongrois, là? Non, j'étais franc, là, juste avant. C'est vrai. J'étais franc, je faisais que des palades. Initialement, tu voulais faire franc. Initialement, je voulais. Avec toi? Mais en fait, à un moment, j'ai vu Hongrois passer. Et... Non. C'est lui, Tatarien. Fais les Hongrois. Ouais, je fais les Hongrois. Et ensuite, tu restes en difficile là ou. Ouais, pourquoi pas. Aïe. Forêt Noire, c'est bien comme carte? T'en penses quoi? Forêt Noire, bah après oui, parce qu'en même temps t'es un peu calme au niveau du bois là. Ouais. Ce qu'il faut. Ouais, allez, on fait. Et je crois qu'on est protégé en plus.
Vas-y, va pour Forêt Noire. Merci Wingo pour le host, c'était gentil. Bienvenue, bienvenue au viewer de Wingo. Je trahis les Tatars. Écoutez, je ne peux pas jouer d'autres factions que les Tatars. J'en sais terrible. Let's go, hein. Je pense qu'on est prêt. Hein. C'est parti. Mets-toi prêt quand tu peux. Hop. Pas l'argent. Petite musique hongroise. Sympa. Forêt Noire best map. C'est vrai que c'est une vieille map, ça, pour le coup. Ah bah on est contre des Hongrois aussi. Super, ils l'ont tué. Ils l'ont tué trop loin du forum, ces idiots. Oh, la musique hongroise, c'est la fête. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est... Petite musique de kermesse de village là. Ça te met dans de bonnes dispositions. Et on a des vaches sur cette map? Ouais, elles sont 150. Ouais, c'est entre un mouton et un sanglier. Il y a des sangliers en plus, ouais. Bah, il y a les moutons, il y a les vaches. Tout... Ouais, il y a plein de trucs. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Pas la chasse. T'aimes la chasse. Bon alors t'oublies pas de faire tes habitations. Oui. J'ai pas oublié. Ça c'est le truc con mais... Pas oublié du tout. Et moi, je me rends compte, faut que je parle plus en fait. Parce que quand je me fais attaquer, comme j'ai l'impression d'être cantonnier, tu dis rien du tout. Et mais nous, oui, on voit ton camp, il est à feu et mais, à sang. Mais d'ailleurs. C'est vrai, mais comme je suis habitué à jouer tout le temps tout seul, bah. Ah ouais, normal. Franchement, je me fasse violence quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas un réflexe qu'on a facilement. Le team play. Chelou la musique hongroise. Oh, elle est à l'ancienne quoi. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je trouve ça sympathique. Et on a tellement d'or. J'ai 3 patchs d'or chez moi. C'est fou. Quand même. Quand on y pense, c'est fou. C'est vrai. Moi j'ai quand même 2. Et donc, de ce que je me souviens, on est entouré de forêts. Hein. Et c'est ouais. Le petit chemin là qui mène. Qui protège tout le temps là. Bah oui, parce que ah ouais les ennemis en fait ils vont t'attaquer par ce chemin en fait. Ah ouais, sérieux? Bah ouais, c'est ça, la trouée dans la forêt en fait. C'est j'ai commencé à faire un wall qui est à l'opposé en fait du chemin. Je te le dis tout de suite, en fait t'as un wall de forêt déjà. Là. Ah merci pour l'info. Ouais. Très utile. Si je me souviens bien que Forêt Noire c'est ça. Ok, ok. Mais ma dernière partie s'est terminée avec les cheat codes. C'est pas bien. Bien. Oh bien. Oh, c'était bien joué ça. Bon, le pathfinding fait n'importe quoi, mais. Ils disent qu'il a été amélioré. Non, peut-être. Ouais. Vraiment, peut-être. Amélioré, ah bon? Ah bon. Très bien. Hop, ça se passe bien. Igen,
Ah, je fais n'importe quoi. Et tu as un jeu villageois ? Non ! Non, il fuit ! Ah, j'ai fait n'importe Tu es le vite. Mon secours. Nickel. Nickel. J'ai pas du tout fait le bon mur du coup. Donc c'est vraiment la map pour être tranquille quoi et pas se faire embêter. J'ai l'impression. J'ai une relique. Il y a d'autres chemins en fait, je me suis planté. Ah! Mais parce que là je suis en train de. Ouais, en fait il y a qu'une route qui nous. Mais avec ta cavalerie, faut que tu repères. Mais t'as juste des trouées en fait dans la forêt. Et c'est ces trouées que tu dois protéger à fond. Ah, ok, ok. Il y avait pas de trouée avant, je me souviens de cette map. Il me semblait pas qu'il y avait de trouée avant. Hein. Tu peux prendre deux cartes. Peut-être, hein. Mais je sais plus. Mais moi j'avais souvenir que cette carte c'était un peu le boxon au niveau. Moi ce qui est sûr c'est qu'on est un peu coupé au niveau du bois. Oh, je fais n'importe quoi là. Hop. Des trouées. Bah des trouées, c'est qu'il y a des trous quoi. C'est pas compliqué. Hein. Détroué. Tu as vu l'ennemi ou pas? Non. Et j'ai envoyé la cavalerie à l'éclaireur. Ok. Elle s'est rebutée, mais c'est pas grave. Ah, moi l'ennemi m'a trouvé. J'ai buté le canasson. Je l'ai descendu le canasson. Mais je sais pas trop ce que... Le tente ou pas? Ah merde, connétable de Richemont a progressé vers le cheveu de Fadal. Ouais. Heureusement que Zomega arrive. Ah mais voilà. T'en es où toi dans ton cheveu d'elle? J'ai pas commencé. Non, je déconne. Non. J'en suis à 72%. Ah. Fais peur hein. Ouais, attends. Il est 20h. Bah ouais, il est 20h en effet. Il est 20h en effet. Bonne observation. C'est bon. Je suis à la traîne, mais c'est bon. Non, c'est le boxon devant chez moi, là. Il y a tellement de cavaliers. Allez, bûcheron, tu deviendras fermé. Un peu de Age of Tatar, puis Overwatch Ranked à 21h. Ah ouais, tu prédis 21h. On finit en 1h la partie, Nico. On est obligé, sinon je perds mon emploi. Ah bon ? C'est ça. C'est marrant, Age of Mythology c'était le préféré de beaucoup de monde. Moi je trouve qu'il est moins... Par rapport aux deux, je sais pas. Je trouvais que le feeling était pas bon. Oui, oui. Il y avait des trucs cool hein, avec les pouvoirs des dieux, ça c'était très rigolo. Il y avait un côté cheat code permanent quoi. Mais je sais pas. D'accord, ouais, j'ai pas aimé. Avec Ajax fête des fleurs.
Avec Ajax, oui. Le héros grec. Le bon Ajax. Oh oui, je vais me faire supply block moi. Allez, Potimur. Mais en fait, c'est juste qu'il y a full forêt au milieu. Il y a que de la forêt au milieu. C'est genre littéralement que ça, quoi. Je crois que c'est ça l'idée. Qu'est-ce que quoi? Ok. Tout va bien se passer. Mais pas ces murs aussi près de ta base. Pourquoi? Ça va. Non, ils sont bien là. Mais moi après je préfère faire des châteaux que des murs. Et ouais, bon, mais ça c'est une stratégie. Voilà. Ce que j'aime bien c'est que ça fait gagner du temps les murs, quoi. Ouais, mais en même temps tu dois gérer la structure de ton mur. Enfin bon. Et dès que t'as une brèche, oups là, et tout le temps que t'as pris pour faire ton là, mur. Là on est mort. Voilà quoi. Ouais. Ça, moi j'ai abandonné les murs. Mais bon. Oh, je sais pas, moi j'aime bien vivre dangereusement. Ok, ok. Il y a des loups. Ah mais c'est vrai, je one-shot les loups avec cette civilisation, regardez. Regardez le héros hongrois là. Yo. C'est trop fort. Bien joué, le super bloc. Ça c'est vraiment puissant quand on y pense quand même. T'es là, les loups peuvent pas t'emmerder quoi. Ah ouais déjà. J'ai pas encore cliqué moi. Oh putain, on va se faire défoncer. C'est évident. Mais, mais non. Ouais ouais ouais, le mec il est déjà lâché des châteaux, c'est un truc de ouf. Mais non mais c'est bon là. Ouais, ouais, moi je suis en train de boomer là. Bon bah ouais, ouais moi aussi je suis en train de boomer mais... Ça boom bien là, moi chez moi. Ouais. Ça boom vraiment bien. J'ai oublié de faire... Je pense que notre seule chance c'est de faire des châteaux. Il a beaucoup d'archers quand même. Ok. Après, moi j'ai besoin que de me concentrer sur un seul front. Moi je pense que je vais me faire juste attaquer sur un front. Hein. Si je fais plein de pierres, ça devrait aller. Hein. Ouais. Il y aura des nouvelles, mais... T'es pas confiant là. Pas du tout confiant parce que vu l'évolution des mecs là... Oui, il me demande victoire à la relique. Alors, propos. À ce propos. Hein. Il m'attaque. Secours. Bon, eh. Ah non, mais vraiment là, pas assez de bois. Ah, mais j'ai plus personne qui fait du bois, c'est une catastrophe. Quoi? Encore insuffisant? Ma petite palissade, elle va se faire défoncer. Je le sens. Hop.
Ouais. Bien joué, c'est gagné. Merci, merci, ouais, c'est gagné. Finger in the nose. Moi, j'essaie de récolter un maximum de pierres là pour pouvoir faire un petit château là rapidement. Tout va bien se passer. C'est quoi le but du jeu ? Bah, tu fais une base, tu fais une armée et tu bats l'adversaire. Voilà. C'est pas compliqué. Si vraiment pour compliqué. Ah, j'hésite limite à faire deux forums. Trois forums. Ah mais oui, il fait à fond. Ah, faut y aller. Là. Oui, là, plus que ça, là. Eh ouais, ouais. Faut pas te faire de gâteau, là, les mecs. Là. Plus de villageois. Vite. Bientôt assez pour faire un château. Encore 100 de pierre. J'ai peur. J'avoue que là, ils auraient tellement eu le temps de nous buter depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, ils se mettent déjà en randonnée en fait. Ils posent bien leurs troupes là. On va avoir des chars d'assaut qui vont arriver dans notre base. Ouais, pour la photo. C'est ça. Ouais, pour la photo. Ça va être super. Ok. Építkezek. Allez. Moi franchement j'y crois. Je pense qu'on peut le faire. Faites le forum plus vite là. J'ai besoin de villageois, vous avez compris. Pof. Allez. J'ai la moitié de mon château. Bon, j'ai lui qui sert à rien du coup. J'ai un petit éclaireur là. Bon. S'ils vont arriver, ils ont que des trébuchés. On va être là. Alors, au secours. Quand même les Britanniques, je trouve le fait qu'ils soient moitié pris les forums. Ouais, c'est fort. De ouf, ça. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est vrai que c'est balèze quand ils pensent. Pour ça aussi, j'aime bien les Britanniques. À faire plein de fermes. Là, je me concentre vraiment sur l'économie dans cette partie. J'essaie de
Pas être trop à la bourre. En fait, attends. Ah mais trop fort, tu peux le développer dès cet âge-là. En fait, j'ai besoin de faire que de la nourriture maintenant si je veux faire beaucoup de troupes. Et du coup, faut que j'utilise l'or et donc en fait, je vais faire archer. Ah mais oui, faut que je fasse des archeries. Voilà. Mais il faut vraiment que je fasse un maximum de... Ouais, c'est ça en fait avec les Hongrois. Faut faire un maximum de nourriture. Et après avec le reste, tu fais des unités qui coûtent de l'or et du bois. Franchement, fais-moi confiance, Nico. Oh putain. Ils arrivent. Faut que je les poule. Allez, venez vers moi maintenant. Allez, venez vers moi là. Top. Top. Là, ils sont comme des cons là. Nickel. Ah, c'est vrai que l'IA, si tu l'arnaques un peu. Stylé les hussards là, ils sont vraiment stylés. Tuez-le l'huile. Je me défends Nico. Ah très bien, mais tu me dis hein si t'as besoin. Ouais mais c'est bon là, moi ouais, c'est bon là, c'est gagné hein, la partie est gagnée. C'est vrai? Ouais ouais, la partie est gagnée là. C'est cool. Pas du tout. pas du tout. Ok. 18 qui foutent rien. C'est beaucoup quand même. C'est vrai, maintenant tu vois en temps réel ceux qui foutent sans rien. Et avant t'avais pas ça. Bon, dégage toi, tu me saoules. Envoyez les hussards hongrois. Ah, c'est pas mal. Les hussards, je pense que ça peut être très fort parce que tu peux juste zerg. Tes unités qui coûtent que de la nourriture, c'est trop fort. Tu fais des full. Tu fais que ça comme un couillon. Et juste les mecs en face peuvent pas faire grand chose, je pense. Hein. Siège impérial, il me faut 1000 de nourriture. Pas encore que. Ah, ça se produit vite en plus. Je sens qu'ils vont faire que des pitiés. Je vais pleurer. Ils doivent être là-dessus, non? Ils sont là-dessus, sûr. Allez hop. Ok, ok, la bonne IA. La bonne IA. Faut les accompagner, hein. Oh, ils ont des cavaliers. Oh, ça pue, ça, par contre. Ah, il a buté mon soldat, quoi. Ah, ils se défendent bien contre les cavaliers quand même. Hein.
Ok. Moi je me bats bien, je sais pas de ton côté. M'attaque pas. Ah ouais, ils te foutent la paix. Ouf. Et oui, du coup t'as peur? Totalement la paix, bah oui, alors donc je monte bien en économie mais ils m'attaquent pas du tout. Du coup t'as peur? Y'a un problème. Ils vont faire quelque chose. Pourtant en diplomatie je suis bien ennemi quoi. Là c'est un peu le... la guerre froide quoi. Ouais. On est en bien de... tendance. Vous avez une écurie ici, tranquillement. Hop. 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 Moi je vais faire full fantassin à arc et hussard. Je vais avec qui? Je vais avec mon frère. Je vais avec mon frère. Ils sont cool les châteaux hongrois. Je sais pas si t'as vu la tronche qu'ils ont. Et donc ça c'est que aussi. Oh mec, là la production va commencer. Hein. Il va falloir que je fasse des maisons sinon je vais avoir un problème. Très bien. Vas-y. Et fais gaffe parce que t'as pas trop d'espace en fait. Donc tu peux vite être coincé. Parce que moi j'ai commencé à être coincé en espace pour fabriquer. Ouais, pour... Bah on va augmenter la taille de notre espace. Ça fait des bûcherons quoi. Allez, à l'attaque. Fini de niaiser. Je suis passé impérial là? Ah mais oui. Je l'ai même pas vu. Donc, je suis bien en ennemi avec eux. Ils se considèrent bien comme un ennemi. Là, l'IA est en mode tranquille. Ouais, là, franchement, pour un difficile, elle est pas optimisée pour Forêt Noire. Hein, parce que là, en aride. Ah, en Arabie, ouais. Temps, on serait déjà mort. Je me serais fait exploser. Et bon. C'est plus simple. Mais c'est dingue, entre différentes cartes, comment le jeu il est totalement différent. C'est vrai que c'est surprenant ça. Allez hop, c'est parti. C'est parti. On a 200 de pop. Oh merci Kenny avec le raid. Oh je suis en train de tester les Hongrois Kenny. C'est si fort. Oh non on a 500. Bon c'est n'importe quoi 500 du coup. Bah oui. Merci bon. L'Empire contre-attaque. Voilà là c'est parti là. Oh ils ont fait des bâtiments tellement pénibles par contre. Oh ça m'énerve déjà. Bon toi arrête de bouger là. Mais c'est tellement... Ça rend fou ça. Va falloir que je fasse des trébuchets quand même. Hein.
base. Hein. Ouais. Ça le fait pour. Hein. Comment ça, je manque de bois là? Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est quoi ce sitting nul? Ok. Oula, ça arrive sur toi là? Oui, oui, ça arrive sur moi. Un peu fort même. Non, ça va, ça va. Je canalise. Ils explosent. Ok. J'aurais fait un couloir, un truc d'étranglement là. Bienvenue en tout cas, merci Kenny, c'est super gentil. Merci bro. Je commençais à manquer un peu de ressources. Allez. On avance tranquillement. Travail de la terre, je viens de débloquer un succès. Pourquoi pas? Je crois que j'ai fait 10 millions de fermes, c'est pour ça, je pense. En plus, t'as les arbalétriers, hein. Merde, non, je sais pas. Non, mais je les ai pas fait. Ouais, moi, avec le hongrois, j'ai les arbalétriers, du coup, c'est hyper fort. Allez, ça avance, ça déblaye bien là. Ça déblaye bien, j'ai tellement de prod, c'est stupide. Et encore, je pourrais avoir plus, je pense. Hop, qu'est-ce que je voulais faire? Une université. Des lettres. Pas du tout. Franchement, les hussards hongrois d'élite, ça rigole zéro, hein. Trop fort, hein. Le fait de pouvoir les faire juste avec de la nourriture, c'est trop fort. J'ai fait pas mal de games en ladder aujourd'hui en 1v1, j'ai fait pas mal de wins trop content. Oh là là, trop fort. En même temps, je te dis mec, t'es fait pour ce jeu. Hein. Hier tu nous as mis tellement cher. Un peu tout en random. Alors je fais une petite game forêt noire, c'est vrai que forêt noire, je crois qu'il y a un problème de place. Là. Ok. Mais regarde-moi ça, les paladins, comme ça prend zéro dégâts. Scandaleux. Vous allez mourir, oui. Je vais tirer avec mes prébières, les trébuchets qui tirent sur les paladins, attends, attention. Blam. On défonce les paladins avec les trébuchets. Hein. Allez, hein. La vache, comme ça tient bien, n'empêche, là, leur paladin. La folie. Un peu de son, hein, un peu de bruit hein, quand même, là, mine de rien. Oh, il faut que je fasse les projectiles enflammés. Ce sera trop bien. Je vais avoir un problème d'or, Nico. Ouais. Dis putain. Bah, fais du bois et tu le convertis. Parce que moi, je suis à fond en or. J'ai pas beaucoup d'or en fait. Bah, moi, je convertis, je fais beaucoup de bois et après, je passe tout en. Ah, dites-moi qu'il y a un peu d'or là-bas, sinon ça va mal se mettre. Et après, bon, je peux te transférer quand même un peu d'or hein, si tu veux. Non, mais t'inquiète, mais. Allez. Oh, c'est gentil. C'est tout ce que j'ai en ratio. Là. Trop gentil. On réduit mes taxes. Avec... Ah, projectile enflammé, ça va être mieux. Bon, pendant ce temps, l'Empire contre-attaque là. La ligne de renfort. J'ai tellement d'arbres de fantassins à arc lourd. Allez là, attaquez là. Laissez la place. Je fais un clic, il y a une unité qui meurt. Clic. 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 Alors le paladin il va résister. Putain mais les paladins c'est un truc de fou comme ça tank. C'est n'importe quoi. Allez les hussards. Allez, on va commencer un peu à micro ce bordel là parce que c'est n'importe quoi.
peut-être aussi bouger ces trébuchets qui servent à rien. À l'attaque! Je devienne fou. Ok. Bon, ça va le faire. C'est bon, 500 de pop, hein. Ah, ça fait du bien. Ah, 500 de pop, ouais. Là, y a pas de place pour le doute, hein. Tu prod, hein. Et si tu prod pas, c'est que tu sais pas ce qui est bon. Tu prod. Y'a pas d'or là. Oh la base du bot. Oh, trop marrant la base du bot là, tronche qu'elle a. Avec quelle tronche? Bah enfin elle est vachement espacée quoi. Le mec il s'étend vraiment les bots, c'est marrant. J'ai dû perdre beaucoup d'unités hein, parce que les hussards c'est pas fou. Mais je peux tellement en faire que c'est juste no match. Regardez-moi ça. Hop, là il y en a 50 qui vont sortir. Non. Oh, ils ont un château là-bas. Bon bah, c'est en train de prendre forme. Ça va se détruire progressivement. Bon, ça va se faire progressivement là, écoutez. Écoutez, la ligne de renfort arrive tranquillement. Mais j'arrive même pas à aller au-dessus à 500 de pop en fait, tellement... Ah bon ? T'es à combien de pop là toi ? 218. 218 ? Ouais, et toi ? Je suis à 239. De se raser très bien tout ça là. Oui. Hop. Allez hop, les trébuchés. C'est les Zerglings, sa prod, c'est un peu ça, hein. Mais je crois que c'est l'idée de cette civilisation. Hein. C'est vraiment fort, hein. Parce que là, tu vois, mes hussards améliorés, là... Ouais. Bah en fait, ça coûte pas d'or. Ça coûte que de la nourriture, du coup, je peux faire ça tout le temps. C'est fou, ça. Bah, un peu, ouais. Hop, là, j'en ai lancé 40 à prod en même temps. Tranquillement. Regarde ça, la ligne de renfort. Là, regarde la ligne de renfort chez moi. Ouais, ouais, c'est énorme. Je les ai défoncés. Non mais on a gagné là. Ouais c'est... Bah mais... je crois que c'était oui le moment où ils nous ont pas attaqué au début je pense. Je pense que c'est plié. Ça part sur une victoire. Trop fort les Hongrois. Ça me donne envie de les jouer. Tellement c'est pété. Après, je sais pas. C'est quoi, t'as des paladins? Ah non, t'as que des archers longs. T'as pas de paladins en vue là? Je me demande si c'est si mauvais par rapport à un paladin au niveau stat. Mais ça fait mal en fait, c'est ça qui est bien. Ça fait super mal. Bon allez, assaut du château. Faut que tu joues les go, ils produisent des unités uniques des casernes, c'est un bordel absolu. Ouais mais ça coûte de l'or. C'est ça le truc tu vois. Ça coûte de l'or et du coup bah, c'est pas si bien hein. Allez hop là, on repart sur une ligne de production intéressante. Très bien tout ça là. Très bien ça. Bon, j'ai trouvé de la pierre au moins. J'ai 300 de pop. Solgar.
Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, je peux prod full arbalétrier et full hussard, et ça m'utilise des ressources distinctes. Tu sais, les arbalétriers, c'est bois et or, et hussard, c'est nourriture. Du coup, bah, c'est parti. Oh la vache, l'invasion hongroise, quoi. Tu les as bien rasés aussi, toi, là. Ouais, mais je galère quand même. Franchement, on n'a pas de... On détruit pas les bâtiments vite, c'est ça? T'as pas de visibilité, quoi, avec ce putain d'arbre. Ouais, c'est vrai que les arbres sont au loin. Ouais, je sais qu'avec le marché, l'or est infini, ouais. Mais là... Regardez-moi ça, cette destruction. C'est magnifique, ça. Putain. Allez. C'est un truc de ouf. Et est-ce que je les upgrade à fond? Ouais, je les upgrade à fond, je crois. Ah, je peux faire des paladins. Je peux en faire. D'accord. Bah alors. Mais ça fait mal en plus, ça fait trop mal cette unité. Je me demande s'il s'est pas pété. Il y a des mecs hyper forts sur Age of qui peuvent me dire dans le chat. Kenny, il est pas là? Il est parti, je pense, Kenny. Mais je pense que c'est broken, hein. Bon, ça me paraît broken le fait que de pouvoir faire. Une unité aussi forte qu'avec de la nourriture. Je suis de nouveau supply block, tout va bien. On n'a pas assez de place pour faire les maisons, Nico. J'ai un souci de place. Gros à clic dans la base ennemie. Hop. Hop. Oh putain. C'est stupide. Le nombre de troupes cachées. J'ai pas assez de place. J'ai jamais vu ça. En fait, là, on serait sur Arabie, ce serait bien parce que j'aurais de la place, quoi. Parce que là, j'avoue que c'est relou, on est complètement bloqué, là. Allez, la prise en étau. Ouais, bah, ça tombe bien parce que là, j'ai commencé à me déborder. Hein. Ah ouais? Ah les merde. Jeux, c'était chaud. T'inquiète, la puissance de la nourriture arrive. Je sais. Pourtant, ouais. T'es là. Ah, ils ont beaucoup, quand même, hein. Eh oui, ils ont beaucoup, ils sont forts, les jaunes. Ouais, ils sont beaucoup, quand même. Oui, parce que moi ils m'ont pas attaqué dès le début, donc ils se sont bien développés les mecs. Donc, alors on va essayer de péter le. Par derrière, c'est très bien. Je vais essayer de péter leur. Ok, bah oui, là. Type de production pleine, comment ça? Comment ça? Ah, il y a un passage dans la forêt là. Allez, quand on l'empire, quand on l'attaque, l'empire contre-attaque, c'est parti. Oh putain. T'as vu l'armée? Non mais vraiment non, là mais c'est très bien. C'est très très bien les. Ça m'évite de m'éclairer avec eux là. Ils m'emmerdaient. On a cassé le jeu un peu là. Ah, y'a de l'or chez le bot, j'avoue.
c'est bien, t'as une diagonale dans la carte. Oh, t'as vu jouer, la c'est... ligne de production. Je vois les progressions, putain, c'est impressionnant. Le château. Allez, hop. Hop. Plus vite que ça, là. Je... Tout doit disparaître. Black Friday, version. Black Friday. Bon, allez. Oh, putain. Il ne résiste pas, là, c'est bon. Ouais, non, mais là, il persiste. Perdu, là. Le signe, il persiste. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien, suffit. Ah, ça y est. T'es l'Empire Férez. L'Empire est là. C'est bon. Ah ouais, victoire hongroise, il y en aura d'autres, je pense. J'aime bien. J'aime bien cette civilisation, elle est pas mal. Ouais. Non, mais c'était pas mal. Mais ouais, cette carte-là. Moi, ouais, cette carte, elle est relou, je suis d'accord. Oui, trop aride, c'est bien plus intéressant. Ouais, mais bon, parce qu'il y a plus de place pour les trucs. Non, mais hey, tu peux poser. Quoi? En score, t'as des beaux scores là. Ah bah là, mais là, juste. Oui, hein. En fait, c'est juste le fait de pas avoir à faire de ressources, outre que la nourriture. J'étais tranquille. Bah, j'ai bien vu, ouais, parce que la ligne de. Ah, la ligne de. Là, bah ouais, là, le score militaire, je me suis bien amusé. Let's go. Bon. Eh, ça y est, j'ai réussi à battre ton score. Eh oui, bravo. Enfin. Félicitations. Oh là là. Mais il m'avait l'air un peu plus chaud, le mec en face de toi, par contre. Hein. Moi, oui, le mien. Laszlo premier, là. Ouais, bah c'était un Hongrois aussi, du coup. Hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais. Trop fort, les Hongrois. Content quand tu vois sa ligne de. Ouais, au début, en fait, ouais, c'est son économie. Ah, tu regardes quand la chronologie. Tu vois sa chronologie, ouais. Il a vraiment développé sa technologie. Ah ouais, il avait l'air. Bah, c'était le plus violent des bots. Ouais. Après, il a bien un croix aussi, hein, le franc, qui faisait pas d'un coup. Voilà. Oui. Mais il avait moins de villageois, au niveau des proportions. Ouais, ouais. Moi, quand j'arrive à hache des châteaux, je suis nul. Hein. J'ai un vrai problème d'économie quand je suis là. Toi, ta corbe reste bien stable, mais moi, je sais pas. Je fais n'importe quoi. Alors, je sais pas. Il faudrait que j'apprenne à faire une meilleure transition, quoi. Mais je suis trop lent pour passer les âges, c'est ça mon problème. C'est surtout ça, je pense. Mais bon. Bon, bah moi j'ai même avec manger. Des humains. Ah non. Ouais, bah bonne app. Bah merci pour les games. C'était cool. On en refera d'autres. Bon, bah tu sais où j'habite. Ouais, je sais te trouver. Ouais. Vas-y. Même pas comment on coupe là. tu quittes TeamSpeak et normalement c'est bon. La croix de TeamSpeak ou non ouais, la croix. Normalement ça quitte. Voilà, pouf, il est parti. Ok, voilà. Petit Age of avec le frangin. Toujours sympa. C'était bien cool. Ah là 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 là, Age of Empire. Eh, on a gagné contre l'IA en difficile. C'est beau. 2v2 contre l'IA en difficile. On a réussi. Eh, Hongrois là, je suis convaincu, hein. Je suis convaincu, hein. C'est hyper fort. Il est impossible, non, frérot. Bah, il est pas habitué à être sur des lives et tout. Hein. C'est pas son truc. Voilà. Il est pas trop jeu, en fait. Il l'était avant, mais plus trop maintenant. Il joue juste à Age of. Fort les Hongrois, la vache. Qu'est-ce que c'est balèze, quoi. Avec les hussards, tu peux tellement en faire. Hongrois en toi. Ouais, c'est ça. Bon, les potes. On va passer sur Overwatch, my friends. Overwatch time. Donc, petit rappel aussi, en passant, très important, c'est qu'il y aura donc le 1v1 Mibro dimanche. Demain, pas de stream, je serai au cast du FFA avec Zerator sur sa chaîne. Donc, je ne serai pas en live sur ma chaîne, mais on va caster le FFA Age of Empires sur sa chaîne. Et dimanche soir, on va se faire le 1v1 Mibro. Il y aura des lots à gagner et tout, ce sera trop bien. Donc rendez-vous dimanche soir, ça va être cool. Donc ça, c'est noté à 20h. Et donc ce sera le dernier live pour moi, en tout cas, de 2019. Ce qui fait que là, bah, voilà, c'est un petit peu notre dernière soirée Ranked Tryhard Overwatch ce soir. Donc voilà, je vais couper la VOD ici. Fin de VOD, maintenant. Et bisous.